Antoine Simonneau, merci. Et avant de démarrer l'ordre du jour de notre conseil municipal, je souhaite d'abord souhaiter la bienvenue pour sa première séance du conseil municipal Hervé Lefranc Brasseau, notre DGS, donc vous avez peut-être vu l'article dans Ouest France, merci Benio, voilà, qui est arrivé le 7 décembre dernier, 7 septembre, voilà, je commence à anticiper, le 7 septembre dernier, voilà, et qui voilà, est tout de suite mis dans le bain, et évidemment, vous avez dû apprendre aussi, parce qu'on en avait parlé dans l'article de Ouest France, hein, qu'il y avait le départ de Soleil, dans le Redos, et donc en recrutement sur un poste de responsable de finances ressources humaines. Voilà. Merci en tout cas de sa présence à ce conseil municipal. Premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal du 24 juin 2024. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport au PV qui vous a été adressé? Ah, merci Pascal de me rappeler l'ordre. Donc on a deux pouvoirs. Dominique Catson a donné pouvoir à Pascal Coulon et Farida Houri a donné pouvoir à Maryse Audran. Je n'ai pas eu d'autres pouvoirs. Voilà, donc je reviens lors du jour sur le procès verbal du dernier conseil municipal du 24 juin. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de l'approuver. Non, je m'abstiens. Oui? Je m'abstiens. Oui, tu n'étais pas présente déjà, je crois. Non, je n'étais pas présente, donc je ne suis pas en mesure de dire si c'est. Donc, une abstention. On note. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la convention avec l'association des planteurs du Bois et du Loup. Nous vous proposons de reporter cette convention suite, on va dire, à un travail sur le budget participatif. Hein. On a besoin de travailler avec les porteurs de ce projet sur l'implantation. Des arbres à planter, arbres et arbustes. C'était vu vendredi dernier avec l'association Le Bois et Loup. C'est pas du tout une remise en cause de cette convention que vous aviez eue. Hein. Au contraire, l'objectif vraiment d'une convention avec une association, c'est de faire en sorte qu'il y ait des plantations qui soient durables. Hein. Et donc, ça nécessite de travailler sur le projet d'implantation de ces plantations. Donc, c'est un point qui sera reporté au prochain conseil municipal. On va avoir ensuite quatre délibérations hein, concernant la ZAC multisite. Le premier, c'est le bilan de la procédure de la participation du public par voie électronique, hein, participation qui s'est déroulée du 7 mai au 7 juin, voilà, 2024. Et le conseil municipal doit, et c'est normal, resituer un petit peu les remarques qui ont été faites lors de cette participation du public par voie électronique, et ensuite prendre acte un petit peu des remarques et des réponses que nous donnons en tant que municipalité au questionnement des personnes qui ont participé à cette procédure. Le deuxième point, ça sera le dossier de réalisation de la ZAC multisite. Je rappellerai qu'on avait un dossier de création qui date de 2016. Vous voyez, 2016-2024, 8 ans, c'est relativement long par rapport à un projet de ZAC. Hein. On expliquera un petit peu pourquoi il y a ce retard. On a déjà parlé plus d'une fois ici, hein, qui est essentiellement lié d'ailleurs aux études de pollution des sols. Le troisième point, ça concerne le programme des équipements publics, même si dans le dossier de réalisation on en parle, on va prendre une délibération à part hein, pour voir les participations au programme des équipements publics et entre ce qui les équipements qui dépendront de Rennes Métropole ensuite, quand la ZAC sera terminée, ce qui dépendra de la municipalité. Le quatrième point, c'est sur le contrat de concession avec Territoire Public, c'est un avenant numéro 2, nous avions déjà délibéré sur un avenant numéro 1, qui est un avenant numéro 2, je vous informe que je sortirai de la salle du conseil municipal sur cette discussion de l'avenant numéro 2, étant depuis l'année dernière administrateur du territoire public, j'ai un devoir de me déporter par rapport à cette délibération. Voilà. Donc, première délibération concernant la ZAC multisite, donc c'est la participation du public par voie
électronique. Hein, donc, je vous ai dit, elle s'est déroulée du 7 mai 2024 au samedi, mercredi 7 mai 2024 au samedi 7 juin 2024 inclus. Le dossier qui est en papier, parce qu'on avait souhaité quand même que le public puisse avoir accès à des dossiers papier, hein, même si tout était mis sur un site dédié. Le dossier mis à disposition du public comprend le dossier, le projet, hein, puisque c'est bien un projet de dossier de réalisation de la ZAC, la mise à jour de l'étude d'impact, dont vous parlez, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact. L'autorité environnementale, c'est l'État qui regarde hein, par rapport à un projet de ZAC si il y a des remarques à donner par rapport à ce projet. On en discutera tout à l'heure. Une notice explicative de la procédure dans laquelle s'insère le projet, la mention des autorisations nécessaires pour réaliser, et le bilan de la concertation. À l'issue de la participation de synthèse des contributions à réaliser, donc ce qu'on va présenter ce soir, hein, et le dossier de réalisation est soumis à l'approbation du Conseil municipal. Donc, juste avant de démarrer sur une présentation des remarques qui ont été faites par les participants, hein, préciser qu'il y a eu 1259 visiteurs uniques durant la période d'ouverture, ce qui est non négligeable, hein, avec un pic de fréquentation à 146 visites le 13 mai 2024. 36% des visiteurs ont téléchargé au moins un document. Parce qu'on sait le nombre de personnes qui téléchargent. Hein. Et au total, nous avons eu 12 contributions. Alors quand je dis 12, parce qu'il y en a eu qui a été faite deux fois, on est bien obligé de prendre en compte, il y a eu 12 contributions portant sur des thèmes qui sont environnement, écologie, pollution des sols, urbanisme et paysage, circulation et sécurité, services publics municipaux, hein, participation continue des habitants. Hein. Donc, on va voir donc, les questionnements qui ont été soulevés par les personnes qui manifestaient un petit peu leur désir d'écrire. Hein. Je ne cacherai pas aussi que j'ai eu des personnes qui sont venues demander un entretien, hein, et demander à avoir des questionnements. J'aurais dit qu'elles pouvaient aussi s'exprimer par écrit. Hein. Certaines n'ont pas souhaité le faire. Voilà, c'est important aussi d'en parler. Donc, on va faire dérouler peut-être le diaporama et je vous propose de présenter les contributions qui ont été faites par les personnes. Donc, sur le premier thème, c'est sur environnement écologie. Alors, vous verrez qu'il y a un thème pollution des sols qu'on pourrait rattacher aussi à environnement écologie. On a mis un petit peu à part. Donc là, il y a eu 7 contributions. Voilà, sur l'environnement écologie, et les préoccupations qui ont été soulevées par les participants sont sur l'impact environnemental de nouvelles constructions sur les terres agricoles, qui a une contribution. Je rappellerai aussi qu'on est dans un dispositif hein, sur le zéro artificialisation net, hein, donc qui est normal, soulève ce type de questions. La préservation du quartier historique et de l'environnement naturel, il y a eu 3 contributions. La nécessité d'utiliser des matériaux écologiques et de préserver la biodiversité locale, là, il y a eu 3 contributions. Les réponses apportées, hein, donc, rappeler que ce projet s'inscrit dans des zones qui avaient été définies par l'ancien plan local d'urbanisme de la commune, repris dans le plan local d'urbanisme intercommunal en 2020, hein, qui a été approuvé au niveau de Rennes Métropole, hein, puisque vous savez qu'on a un plan local d'urbanisme intercommunal concernant notamment les zones urbanisables prévues de longue date. Vous savez que quand on a des zones urbanisables, on est en zone 2AU, c'est-à-dire un projet urbanisé, et qu'ensuite on peut avoir des zones 1AU, donc ce sont des zones urbanisées, et donc les travaux de construction peuvent démarrer. Rappelez qu'effectivement, sur la partie secteur extension entre la mine et secteur BTOD, on est bien sur une zone d'extension hein, avec une exploitation agricole dont le siège n'est pas Montbéant, hein, qui est sur des locations de terre, hein, et que cette partie sera urbanisée en minimisant les impacts, hein, puisque on verra que la partie urbanisée sur les zones agricoles est plutôt réduite par rapport à d'autres projets de ZAC qu'on peut voir. Hein. Donc aucune exploitation
sur Pompéan, est directement affectée, mais en rappelant aussi, et c'est notre devoir de le dire, hein, qu'on a peu d'exploitations agricoles et qu'on leur siège à Pompéan. Voilà, vous le savez, sur des terres agricoles peu importantes à Pompéan, étant donné qu'on est une commune avec une superficie quand même peu développée, de par notre histoire de séparation avec la commune de Saint-Herblain. Sur la préservation de la végétation, rappelant que le projet de ZAC prévoit de préserver les maximums d'arbres existants, sauf évidemment ceux qui ont des problématiques sanitaires. Le projet prévoit aussi la création de haies végétales et la plantation d'arbres supplémentaires dans les espaces publics et privés, avec une règle stricte d'un arbre planté tous les 200 mètres carrés de pleine terre et d'un arbre pour 4 places de stationnement. Là, ce sont des éléments, évidemment, qui existent déjà dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Et sur l'ambition écologique, hein, on l'a toujours dit, le plan d'aménagement intègre des trames vertes pour préserver la biodiversité, boisement et zones humides. On a fait le choix d'ailleurs de ne pas détruire de zones humides, sauf sur une liaison qui est nécessaire. Et je rappellerai que quand on a une déclaration d'utilité publique, on pourrait encore détruire des zones humides, mais ce n'est pas le choix que nous avions fait, c'est de préserver le maximum de zones humides, en rappelant que le taux de zones humides sur la commune de Pompéan est de 27%, soit le taux le plus élevé de toutes les communes qui y viennent. Des efforts sont faits pour renforcer les habitats écologiques et créer des espaces verts, des systèmes de gestion des eaux pluviales. On est maintenant, quand on est sur de l'extension urbaine, dans la gestion des eaux pluviales, en utilisant au maximum le cheminement de l'eau, en utilisant des fossés, donc en créant des réseaux supplémentaires, réseaux qui sont adéquats. Et la construction respectera des standards stricts en termes d'écologie, usage de matériaux durables, gestion des émissions de carbone, en rappelant aussi qu'on a demandé à Territoire public de se baser sur le référentiel bas carbone de Rennes Métropole. Bon, vous le savez, hein, c'est une discussion. À partir du moment où on sait qu'on a des dérèglements climatiques, il faut aussi repenser les modalités de construction et le type de matériaux utilisés. Quand on parle de matériaux biosourcés, on pourrait parler aussi de matériaux géosourcés. Le deuxième point, ça concernait les pollutions, c'est pour ça que c'est mis à part, côté environnemental, mais c'est quand même très lié, ces pollutions et risques sanitaires. Et là, on a eu 7 contributions hein, sur cette problématique de pollution des sols qui est connue à Pompéan. Je pense que vous ne le découvrez pas. Hein. Notamment pollution des sols au plomb, mais aussi au béton lourd, et avec des risques pour la santé. Hein. Donc il y a 6 contributions, d'ailleurs, qui parlent de risques pour la santé. Sur les études de pollution, des études environnementales ont été réalisées et ont montré justement des niveaux élevés de pollution dans certaines zones. Ce n'est pas quelque chose qui était forcément inconnu, puisqu'il y avait déjà eu une étude après mine lors de l'élaboration du PLU de la commune de Montpellier en 2009. À l'époque, c'était la DRIR, ce qu'on appelle la DREAL maintenant, hein, qui avait fait l'étude et qui avait montré alors plusieurs choses, hein, puisqu'on avait aussi des risques d'effondrement minier, et on avait cette étude des sols, et l'ARS d'ailleurs avait suivi à travers la cellule interrégionale d'épidémiologie ce qu'il en était. Il n'empêche que lors du dossier des études qui ont suivi le dossier de prévention, on a vu des pollutions qui étaient plus importantes que ce qu'on pensait sur certains secteurs et sur la partie zone d'extension mine méthiodée. Donc le projet prévoit des mesures de dépollution et de gestion rigoureuse pour garantir la sécurité des futurs habitants. Dans les mesures de gestion, dans les zones destinées à des habitats individuels, les sols pollués seront excisés et remplacés par de la terre saine. On sait que la couche de pollution elle est souvent liée à ce qu'on appelle les vents dominants, quand on a eu les dépôts de schlaps sur la zone de la laverie, où il y a maintenant la ferme solaire. La mine a fermé en 1904, il n'empêche que pendant des dizaines d'années, hein, on avait eu ces terrils, en quelque sorte, qui ont amené, par les vents dominants, la répartition de terres polluées hein, sur plusieurs secteurs de la commune, ce qui avait été montré en 2009. Donc là, l'objectif, c'est pour tous les habitats individuels de décaisser
la terre polluée. On a fait le choix de conserver la terre polluée sur place dans un endroit où déjà la terre polluée est au plus fort, c'est-à-dire tout près du carreau de la mine, par un double confinement, étant donné que si on l'envoyait à l'extérieur, on avait des coûts qui seraient 3 à 4 fois plus élevés sur la gestion de ces terres. Pour information, on a un chercheur qui se penche sur la situation de Pompéan, qui a demandé à pouvoir utiliser de la terre polluée. On sait qu'on a aussi à réfléchir sur la manière d'utiliser cette plante qui dépollue, mais que là, ça suppose d'avoir des recherches beaucoup plus approfondies que la connaissance actuelle. Et ensuite, sur les habitats collectifs, un recouvrement de terre saine sur une surface de 30 cm, avec une interdiction de potager et d'arbres de terre sur ces habitats collectifs. Donc on sait que la dépollution complète, économiquement, écologiquement, n'est pas viable. Ensuite, en termes de bilan carbone, d'ailleurs, elle ne serait pas très bonne en raison des volumes de terre déplacés. Mais les solutions proposées assurent que les zones seront sécurisées pour l'usage prévu. Sur la gestion des risques sanitaires, rappelez que toute cette démarche, puisque c'est bien l'État qui a demandé à ce qu'il y ait une étude d'impact complémentaire. Donc les services de l'État, à travers l'ARS, la DTR et l'ADREAL, ont participé au suivi des mesures prises, ont donné leur avis d'ailleurs, et les restrictions d'usage permettent de minimiser les risques. Mais c'est normal que, on sait l'histoire de Pompéan, mais c'est normal que par rapport à ces questions de pollution aux métaux lourds, il y ait des inquiétudes et qu'elles soient exprimées par le public. Le troisième point, c'est urbanisme, intégration paysagère. Donc là aussi, il y a eu 6 contributions. Les questions qui ont été soulevées, c'est la cohérence architecturale des nouveaux immeubles avec le tissu existant, notamment par 4 contributions. Des critiques concernant la hauteur excessive des bâtiments, je veux dire d'un bâtiment, mais je dis des bâtiments parce que certains ont exprimé sur plusieurs bâtiments, sur 3 contributions, en rappelant que effectivement sur la zone centre d'aménagement de renouvellement urbain, on a un bâtiment sentinelle prévu à R+5. Donc, le projet d'aménagement a été conçu pour s'intégrer dans le tissu urbain existant. Les nouvelles constructions, on l'a dit, respecteront des prescriptions strictes en matière de qualité architecturale et paysagère, et en faisant attention, notamment sur le centre, d'avoir des transitions entre l'habitat individuel existant et les collectifs qui peuvent s'implanter. Vous verrez que, au-delà de la ZAC, d'ailleurs, c'est une des préoccupations qu'on a eues sur l'étude de gisement foncier de renouvellement urbain, pour justement se doter d'outils par rapport à ça. Sur la gradation des hauteurs, un bâtiment R+5 est critiqué, il a été pensé pour servir un repère visuel. Je rappellerai d'ailleurs qu'il y a eu des consultations et participations d'habitants pompéens avec un sociologue quand on a lancé la démarche de création de la ZAC, avec des habitants qui ont fait eux-mêmes la remarque « Pompéan n'a pas de centre, c'est dommage qu'il n'y ait pas un bâtiment qui rappelle le centre. » Voilà. Et que des fois, avoir un bâtiment R+5 redescendre à R+3 et R+2, au lieu d'avoir une barre à R+3, est peut-être de façon architecturale plus harmonieux. Il n'empêche, et là c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on s'engage, il y aura présentation en réunion publique de cette façon de prévoir l'architecture de ce secteur-là, puisqu'on devrait être sur le bâtiment le plus haut. En rappelant qu'actuellement, le bâtiment le plus haut, ce ne sont pas ceux qui existent dans le centre, ils sont actuellement à R+2 plus attique. Le bâtiment le plus haut de la commune, c'est le bâtiment administratif de la ville. Mais moi, je le dis, c'est normal qu'il y ait ce questionnement dans une commune qui a été habituée à avoir un développement sous forme pavillonnaire. Si on se regarde d'ailleurs, majoritairement des gens qui habitent dans des pavillons individuels, et qui est en train de buter aussi avec davantage de collectifs, parce que derrière, évidemment, la question de zéro artificialisation nette, la question d'accueillir une population, se pose, et donc ça soulève des questions qui sont légitimes. Sur la cohérence paysagère, que une trame verte reliera les différents secteurs, intégrant des espaces verts, des végétales, des arbres
9 ans. Hein. On sait tous que le dérèglement climatique, les projections à plus 4 degrés, hein, font qu'on peut avoir des îlots de fraîcheur importants. Voilà, hein. Et que derrière, ça suppose aussi de réfléchir à, au type de construction, parce que c'est essentiellement dans la nuit qu'on constitue la, la chaleur. Hein. C'est intéressant de lire ce que dit Vincent Desbois, le président du Haut Conseil breton pour le climat, sur les différences qui peuvent être sur notre territoire métropolitain de 10 degrés, des fois, sur la même matinée entre des bâtiments qui sont en plein centre ville ou pas forcément en plein centre-ville et d'autres bâtiments. Donc, c'est cette question des îlots de chaleur est quand même importante. Sur la sécurité et la circulation, il y a eu 4 contributions. Hein, une contribution plus actée sur la rue de la Gibotière pour assurer la sécurité des usagers, notamment les piétons et les cyclistes. Hein. Donc là, il y a eu 2 contributions sur cette sécurité des piétons et cyclistes. Et puis la circulation accrue et l'impact sur la sécurité des nouvelles habitations, c'est 2 contributions. Je fais référence à la réunion publique qu'on a eue mercredi dernier sur la ville à 30. Où c'est normal, la question de la vitesse, de la circulation se pose. Hein, et donc là, on a aussi peut-être à réfléchir collectivement, et on verra que sur la ville à 30, ben voilà, ça peut être une des réponses, mais que ça ne suffit pas, et qu'il y a aussi des aménagements à faire. Ouais. Sur la sécurité routière, bien que la rue de la Gibotière ne fasse pas partie du périmètre immédiat, vous savez que malheureusement, c'est suite à un accident. Il y a eu un décès pendant plus d'un an d'un sens unique de circulation. Ça avait apaisé la circulation. On a fait une réunion publique il y a un an et demi maintenant avec les habitants du quartier de la Gibotière. Hein, et on travaille avec les services de la métropole pour remettre en sens unique parce que ça permet effectivement de, d'apaiser la circulation et d'éviter des entrées sur un secteur qui, quand les routes sont pas très, la route n'est pas très large. Donc c'est normal qu'il y ait ce type de réflexion. Sur l'aménagement des voiries, les rues dans la ZAC BTOD seront conçues pour maîtriser la vitesse des véhicules, avec déjà éviter d'avoir trop de lignes droites. Je rappellerai que la vitesse, plus on a des lignes droites, plus la possibilité d'accélérer, hein, avec des ralentisseurs ou des systèmes de rétrécissement de voiries et des passages piétons surélevés. On le sait, en termes de sécurité, c'est surtout les piétons et les cyclistes qui sont les plus vulnérables dans ce monde. Donc on a assuré aussi cette sécurité, soit par des trottoirs plus larges, soit dans des pistes cyclables dédiées, soit par une réflexion globale sur l'aménagement de la ZAC. De la ZAC, le lien avec les voiries existantes. Sur la gestion de la circulation, le projet prévoit d'optimiser les flux de trafic pour éviter les engorgements. Des études de circulation sont conduites pour ajuster les plans en fonction des besoins. Juste quand même à ce qui a été présenté mercredi dernier, dans beaucoup de quartiers européens, les gens en moyenne, je dis bien en moyenne, roulent déjà à 30. Là, on roule beaucoup plus vite, et c'est relevé par notre radar pédagogique, c'est sur des axes qu'on peut accélérer, prendre de la vitesse, donc on a à se pencher sur ce type d'axe. C'est bien pour ça que sur la ZAC, on a souhaité qu'il n'y ait pas de trop grande section de droite et donc des aménagements de voiries adaptés. Sur l'infrastructure et les services publics, il y a eu 3 contributions avec des questionnements sur la capacité d'infrastructure publique, école, crèche, absorber l'augmentation de la population, hein, parce que on verra dans le dossier de réalisation, on est bien sûr 617 nouveaux logements. Donc, une augmentation de la population, rappelant qu'on stagne au niveau de la population depuis 3-4 ans en européen, et l'impact aussi des nouvelles constructions sur les infrastructures existantes. Là, c'est une contribution. Sur la scolarité de la petite enfance, rappelez quand même qu'avant le dossier de création, on avait demandé à l'ODIAR une étude programmatique pour voir les besoins par rapport au groupe scolaire. Vous savez qu'à Montpellier, on n'a qu'un seul groupe scolaire. Tous les enfants n'y vont pas, mais c'est pas loin de 90% des enfants qui fréquentent le groupe scolaire de Montpellier et d'autres enfants qui vont plutôt dans des écoles privées des communes adjacentes. Et donc, de ce fait, c'est normal de se poser la question
de la projection de groupes scolaires. Malheureusement, on est plutôt depuis 3 ans avec 2 fermetures de classe. Une fermeture encore cet an dernier, il y avait une fermeture en septembre 2022, parce qu'on sait bien que quand on n'a pas un certain nombre de logements construits par année, on est plutôt sur un vieillissement de la population, on va dire, hein. Et que d'autre part, on voit bien que les projections même qui avaient été faites par l'INSEE ou au niveau de la métropole par l'Audiard sont peut-être à revoir depuis la crise Covid par rapport aux projections démographiques. Mais il n'empêche qu'on avait regardé déjà avec l'Audiard s'il y avait nécessité de réfléchir, pourquoi pas, un deuxième groupe scolaire. Et on avait plutôt été rassurés par rapport à ça. Et en rappelant aussi qu'on a une réserve au niveau des PMI qui est prévue pour une extension, soit du groupe scolaire, soit pour un déplacement du ce qu'on appelle le périscolaire, transformer le périscolaire actuel par des classes supplémentaires. Donc on n'est pas dans une situation foncière contrainte. Voilà. Et sur la petite enfance, rappeler que depuis 2020, on a eu 2 micro-crèches supplémentaires. On a 10 places de crèche conventionnées avec la crèche associative de Chartres, avec la municipalité de Chartres. Hein. Et que derrière, évidemment, on a prévu aussi le RPE qui sera inauguré au mois d'octobre avec une possibilité d'extension pour une future crèche municipale. Et ensuite, il y a des réserves pour l'extension qui sont prévues s'il y a des besoins d'équipement, soit en santé, soit pour des services municipaux. Le dernier point, c'est participation aux consultations publiques. Là, il y a eu 4 contributions. Qui faisait ressortir un manque de consultation publique et une demande de groupe de travail, de référendum pour impliquer les citoyens. Donc, c'est 4 contributions qu'on parlait. Rappeler que plusieurs réunions publiques seront organisées pour présenter l'évolution du projet. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, et c'est normal, de ce qu'on appelle l'IO C1 avec le bâtiment R+5, mais pas que celui-là. Une réunion sera présentée avec les architectes qui seront désignés sur ce projet. Et voilà, donc c'est important, parce qu'on voit bien que la question de la hauteur interroge, et c'est normal qu'il y ait présentation publique. Voilà, en résumant un petit peu, par rapport aux remarques qui ont été faites par les 12 contributions, quand je dis 12, c'est réellement 11, et avec les différents points, la réponse que l'on peut donner par rapport à cette participation du public par voie électronique. Alors, je rappelle le choix de faire une participation par voie électronique, c'est la loi. C'est pas nous qui avons décidé de faire une participation publique par voie électronique. La loi maintenant évacue souvent les enquêtes publiques qui, à mon avis, sont beaucoup plus peuvent amener davantage de questionnements, mais c'est comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questionnements par rapport à cette première délibération concernant le dossier de Zach Petit-Sic. Oui, Espérance. Pour faire passer un micro pour que ce soit bien enregistré. La zone de mine Béthiodé. Oui. Oui. Mais c'est la partie qui n'est pas possible de polluer du coup. Et moi, si je me comprends pas, pourquoi on va mettre des bâtiments, des constructions sur des zones polluées. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, vous avez confiance à ces communautés qui a des solutions? Alors, déjà, cette pollution, elle existe sur Poupère. Tous les gens vont sur le site de la mine, et on a cette pollution qui est connue depuis longtemps à Montpellier.
J'ai fait référence aux études qui ont été faites en 2009 par rapport à la pollution, où avaient été pris des sondages, y compris dans des jardins, où les gens cultivent leurs jardins, avec des fois des taux de pollution qui est ce qu'on appelle 10 fois supérieur au bruit de fond. Et avec des gens qui avaient accepté d'ailleurs d'avoir des prises de sang pour vérifier, parce que la problématique du plomb, c'est notamment les problématiques de saturnisme qui peuvent exister et qui sont fréquentes chez les jeunes enfants, c'est qu'on appelait souvent les pâtures au plomb dans le temps. Le choix qui est fait, c'est de dépolluer sur tous les habitats individuels qui seront faits, hein, et d'avoir une couche de terre végétale qui va être sur là où il y a de l'habitat collectif, mais du coup, en introduisant dans l'habitat collectif, j'aime bien évidemment parler de collectif, l'interdiction de jardins et de plantations d'arbres fruitiers à ces endroits-là. Alors, ça peut faire peur, mais il y a beaucoup de lotissements exacts qui, des fois, on découvre des pollutions. Quand il y a eu la ZAC du Luzard, a été découvert au début des barrages de travaux, une pollution. Voilà, et donc ça a été traité lors de cette ZAC du Luzard. Ça soulevait des questions, des fois, chez les habitants, il ne faut pas le cacher, parce qu'on avait trouvé des batteries, des anciennes zones de déchets. Hein. Mais l'objectif pour nous, par rapport à cette situation de pollution au plomb que l'on connaît, c'est d'essayer de traiter au maximum la dépollution. La loi aurait pu nous dire, bah, vous décidez de mettre, vous ne traitez pas la pollution, vous mettez une terre végétale et vous interdisez les jardins potagers. Il y a des quartiers européens, des fois quand les gens achetaient dans certains quartiers, leur disaient, vous ne cultivez pas. Parce qu'on n'avait pas cette connaissance. On a fait le choix de dépolluer sur tout ce qui est les habitats individuels. Alors, pour information quand même, mercredi dernier, il y a eu une commission d'appel d'offres à territoire qui a été choisie, une maîtrise d'œuvre pour le suivi de ces travaux de dépollution. Évidemment, on sera vigilant, et puis les services de l'État seront associés. C'est-à-dire que les services de l'État, c'est l'Agence régionale de santé, c'est la DREAL, c'est la DETM. Mais dire qu'à Pompéan, on ne connaît pas cette pollution, c'est un peu faux, puisque l'histoire de la ville nous montre que, malheureusement, cette pollution, elle existe. Elle existe, elle habite. Et l'objectif, c'est pas de fermer les yeux. C'est de voir comment, est-ce qu'on peut construire? Et si on construit, comment on fait pour dépolluer au maximum? C'est ça. Et le choix qui est fait, c'est de confiner sur place pour des raisons, alors je le dirais clairement, économiques. Parce que si on va transporter ces terres dans des décharges spécialisées, c'est 3 à 4 fois plus cher. Je rappellerai, on parlera tout à l'heure du bilan économique de la ZAC, c'est plus 800 000 euros. Hein. Voilà. Et sans aide de l'État, je dirais. Oui, je comprends, mais en fait, vouloir augmenter peut-être la population de la population, est-ce que. Tous ces éléments-là, nous, on a été les premiers à se questionner. Tous ces éléments-là, on a posé la question à l'Agence nationale de santé, au service de l'État. Hein, et derrière, on a ce qu'on appelle haute autorité environnementale qui, alors, je regrette, et c'est important de le dire, n'a pas donné d'avis. Donc c'est considéré comme un accord tacite. Hein, mais ces questions de pollution, elles ont été travaillées en toute transparence avec les services de l'État dès le début. Et de toute façon, l'étude de 2009 avait montré qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient, qui cultivaient, des fois dans des zones polluées,
des prélèvements ont été faits sur des légumes-feuilles, des légumes-racines, sur des fruitiers, et avec des recommandations de l'ARS. C'est à partir du moment que les gens ne mangent pas que leurs légumes de jardin, ça ne posait pas de problème. Je vais ressortir les écrits de l'ARS, mais je pense que nous, on essaie de regarder comment on peut dépolluer au maximum. C'est pour ça que... C'est un qui est bien décidé, mais bon, il faut être vigilant sur le rôle des élus, tout le monde d'être transparent par rapport à ça, et veiller à ce que toutes les mesures possibles, donc réglementaires, mais au plus des heures réglementaires soient respectées pour assurer effectivement aux habitants, les prochains habitants de la ZAC, des maisons à Seine, avec évidemment moins de risques. Tu viens de citer, ça n'a pas de sens. Tant que tu ne dis pas à quelle pollution elles sont condamnées finalement. Ce qu'il faut retenir quand même ici à Pompéan, la pollution, elle est au plomb. Et que dit l'OMS par rapport au plomb? C'est particulièrement dangereux pour les jeunes enfants, les femmes en âge de procréer, le cerveau, le foie, les reins, les os, etc. C'est l'OMS, ça, c'est pas moi. Elle peut s'accumuler au fil du temps pour évaluer l'exposition humaine. On mesure généralement la concentration du plomb dans le sang. Et surtout, et avant tout, il n'existe pas de seuil au-dessous duquel l'exposition au plomb n'aurait pas d'effet nocif. Donc, on a le plomb, mais pas seulement. Il y a le cadmium. Et que dit l'ANSES? Alors, on parle de l'ARS, etc., je veux bien. Mais le cadmium cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, entraîne chez l'homme des atteintes rénales et une fragilité osseuse lors d'une exposition prolongée. Il y avait également du mercure, même en petite quantité, c'est extrêmement dangereux. Peut poser de graves problèmes de santé et une menace pour le développement de l'enfant in utero et à un âge précoce. Le mercure peut avoir des effets toxiques sur le système nerveux, digestif et immunitaire, c'est toujours l'OMS qui le dit, et sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. Le mercure est considéré par l'OMS comme l'un des 10 produits chimiques ou groupes de produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique. Arsenic, on en a également. Cancer, lésions cutanées, maladies cardiovasculaires et diabète. Arsenic in utero au cours de la petite enfance, enfin, etc. Donc, on pourrait faire une énumération beaucoup plus longue de ça, mais la notion de santé est extrêmement importante. Et puis, quand on dit interdiction de cultiver au niveau des jardins ou des vergers, y compris sur la zinc ou l'onticide, ça veut dire qu'il reste de la pollution, que c'est forcément effectivement dangereux. Vous allez décaisser, ok, et vous allez stocker la terre où, dans un endroit se disant où on a déjà des pollutions. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter à la pollution de la pollution en mettant du PHED. Le PHED, je rappelle, des microparticules. Aujourd'hui, on est en train de lutter contre ça, notamment avec les bouteilles d'eau, etc. Et l'OMS également. Et on sait que ça se dégrade dans le temps. Donc là, finalement, c'est que temporaire. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à 10, 20, 30 ans, le PHED sera délité. Et on aura une continuation sur les pollutions. Donc c'est extrêmement dangereux de mettre des gens, et particulièrement des jeunes, des jeunes enfants, des mamans qui sont enceintes, sur cet espace-là. Donc, et j'aimerais bien avoir, puisque vous avez parlé d'un chercheur, savoir quelle est l'université qui travaille, ses références, et ses études et ses publications déjà sur le sujet. Merci. Bien répondre à cette dernière question. On a été sollicité il n'y a que 10 jours seulement, quelqu'un qui répond à un appel de recherche pour prélever des terres polluées, faire une étude in vitro. Voilà, parce que tu dois savoir quand même que
les plantations, ce qu'on appelle la FIPO, l'épuration en quelque sorte, ne donnent pas de résultats encore probants. Voilà. Donc on est plutôt dans de la recherche qui existe au niveau national ou international là-dessus. Juste quand même, la pollution, elle existe déjà. Elle existe déjà sur des sols qui sont des sols agricoles, elle existe déjà sur des chemins où les gens vont se promener, etc. Le dossier présente d'ailleurs la méthodologie qui a été faite pour montrer où est-ce qu'on avait des sources de pollution dans des carrés qui sont déterminés dans 32 mètres sur 32 mètres. Donc il y a une méthodologie qui est une méthodologie nationale d'ailleurs, on trouve ça. Le choix qui a été fait effectivement, c'est de garder la pollution sur place en maîtrisant la connaissance, parce que là où elle va être, c'est sur la zone la plus polluée. C'est un peu ce qui s'est passé sur la zone des laveries, où ont été confinés à la fin des années 80 à une couche d'argile, et sur lesquelles il y a maintenant interdiction de construire, et donc il y a des panneaux solaires qui ont été faits. Voilà. Voilà, mais parce que justement, il y avait interdiction de toucher à la zone de confinement. Parce que la pollution la plus importante sur l'exploitation de la mine, elle était liée justement aux zones de laverie et d'exploitation autour des puits. Non, elle est liée au vent. Les dossiers montrent qu'il y a eu des prélèvements à 30 cm, 60 cm, à mètre, que sur beaucoup de surface, c'est sur les 30 cm ou 60 cm. Voilà. Et que quand on va plus en profondeur, il n'y a pas de pollution. Donc elle est liée à la dispersion des terrines, hein, les schlaps, hein, lors des vents dominants. Ensuite, il y a toute l'histoire. Hein, depuis 1904, ça fait 120 ans que le pays a fermé. Cette connaissance des risques existe. En 2009, les médecins ont été interrogés. Il y a le Centre interrégional d'épidémiologie a posé des prises de sang, a donné un avis par rapport au fait de pouvoir construire, sinon on n'aurait jamais lancé un dossier de consultation là-dessus. C'est-à-dire qu'on a d'abord soulevé la question auprès du Centre interrégional d'épidémiologie. Cette démarche-là, des pollutions, l'ARS est associée. La DREAL est associée. On vient de travailler sur une étude de la presse qui a été condamnée au tribunal. Je sais, vous voyez que j'avais ça, mais la pollution, elle est présente dans notre environnement, au-delà du plomb. Hein, je sais que je travaille sur d'autres dossiers où on sait qu'il y a de la pollution, hein, pesticides, PFAS, etc. Hein. On est d'accord là-dessus, Michel. Voilà, on est d'accord. Et qu'à un moment donné, bah, quand on est confronté à un problème de pollution, on se pose la question, est-ce qu'on peut construire? Et la construction, c'est d'abord de dépolluer. La première question qu'on a soulevée, c'est de pouvoir dépolluer, plutôt que de laisser ça dans le sol, et de laisser ensuite sur les générations futures. Et forcément, il va en rester, puisqu'il n'y a pas le droit de jardiner, ni de faire des... Sur les collectifs, je me cite. Sur les collectifs, par contre, on a fait le choix d'entièrement dépolluer sur tous les habitats individuels où les gens peuvent avoir des jardins. Voilà. Je rappellerai, je connais un certain nombre de jardins où les gens ont été interrogés, hein, les gens jardinent en ayant connaissance de la problématique de pollution. Mais c'est pas une raison pour les nouveaux habitants, et particulièrement des jeunes, en face de cette situation de pollution. Justement, c'est pour ça qu'on enlève la pollution et qu'on remet une couche végétale là où il y a de l'habitat collectif, parce que le risque, on sait très bien pour les jeunes enfants, c'est le fait d'ingurgiter. Voilà. Il faut savoir que quand on parle de saturnisme, dans le passé, c'était essentiellement lié aux pâtures, au plomb. Ou alors, on a eu des sens au plomb aussi. Hein. Voilà, ces aspects-là. Je pense qu'on est dans une démarche où on a associé les services de l'État, on essaie de voir qu'est-ce qui pouvait être fait, et se dire qu'on va envoyer la pollution dans des démarches, dans des décharges classées, ça a un surcoût beaucoup plus important, et ça n'enlève rien au fait que la pollution elle est stockée de la même façon. Alors, il y a des systèmes d'extraction après la phytoremédiation. Phytoremédiation, justement. Phytoremédiation, ça revêt plusieurs terminologies. Il y a des catalyses aussi qui sont effectués par rapport aux métaux lourds. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, Calice? C'est juste
Oui. D'autres questions. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a de la pollution. Quand on va se promener sur le terrain là-bas, il se passe quoi? Ben, y a du maïs qui pousse. Depuis plusieurs années. Hein. Le maïs, l'agriculteur, il en fait quoi? Il donne à manger à ses cochons. Les cochons, on en fait quoi? On mange. Qui s'en soucie? Mais si tu as bien regardé ma réponse, je m'en suis souciée aussi par rapport à la chaîne alimentaire et sur le fait que ces terrains étaient agricoles et cultivés. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Qu'il fallait cesser que ce soit des terrains agricoles. Et qu'il fallait travailler sur la phytoremédiation sur du très long terme sur ces terrains-là. Donc, bien sûr, on s'interroge sur la partie agricole et la partie alimentaire. Je pense que j'ai une bonne pouvoir passer. Pour enregistrer, vous voulez voir. J'ai l'impression d'appartenir à une équipe des criminels qui votent, je dirais, un projet de ZAC dans lequel il y aura des constructions pour des habitants. Aujourd'hui, quand on prend cette zone, une zone où il y a une habitation. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans cette zone-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que s'il y avait une dangerosité véritablement avérée, ça veut dire qu'il faudrait ensemble, au niveau de l'État, réquisitionner ces habitations-là, et puis, les raser, et puis reloger ces gens. Ça, c'est d'autres. Et cette transparence qui voudrait faire connaître qu'il y a la pollution avec, évidemment, des départements, des institutions de l'État qui accompagnent, je dirais, on aurait pu, si vous voulez, faire fi de toute cette pollution-là, c'est vrai, et construire comme ça a été fait par le passé. C'est pas le cas. Non, je ne dirais pas, je le redis, je n'ai pas l'impression d'appartenir à une équipe de criminels qui vote pour les actes où on envoie les gens là-bas. Je n'ai pas cette impression. Alors, pour ce qui me concerne, c'est en toute âme et conscience que, conscient de tout ce qui a été dit, que je voterai pour ces actes. Et d'autre part, comme on le dit, on a aussi, on est arrivé à un point où il n'y a plus de risque possible. C'est-à-dire que le moindre, en tant que conseiller, je dirais qu'on n'a plus le droit de faire manipuler les élèves parce que il faut faire des simulations, le risque est trop grand. Bref, la précaution, elle doit être prise. La dangerosité, je ne veux pas dire qu'elle existe partout. C'est-à-dire que quand on a de la pollution, est-ce qu'on ne circule plus? Ce qu'on fait, c'est de faire en sorte de limiter, évidemment, cette pollution-là. Comment peut-on vivre dans un monde sans pollution, sans risque? Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, je dirais simplement que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire attention au suivi de cette dépollution-là pour ne pas, intoxiquer les gens. Voilà ce que je voudrais dire simplement. Je rappelle, je n'ai pas l'impression d'appartenir à une équipe de criminels. Alors, je voudrais répondre sur deux choses. La première, ce sont les algues qui contenaient ces métaux lourds qui, par le vent, se sont dispersées sur la partie aujourd'hui de la baie Claudel, qui est aujourd'hui encore sous forme de champ. Donc, c'est clair par rapport à ça, et si on regarde un petit peu dans les archives ou les articles de presse, ils le décrivent parfaitement. Donc, est-ce que, en revanche, s'occuper de la santé des gens au niveau du conseil municipal, c'est être criminel? Non, c'est être responsable. Je pense que c'est différent. Ben, je rappellerai quand même ce qu'on présente là. Sur la pollution, rien n'a été caché aux conseillers municipaux. Je rappellerai qu'il y a eu une réunion où tous les élus étaient invités, les territoires publics, où étaient présentés ces teneurs en pollution, avec le détail de ce qui a été par voie électronique. Donc, à un moment donné, je dirais que je n'ai pas eu de remarques.
quand ça a été présenté, et que les conseillers qui sont présents dans cette salle étaient présents. Voilà, je pas tous, mais il y a bon, j'étais invité. Tu étais présent, Teddy. Il y a eu des interrogations sur la Constitution. Non, mais il y a des interrogations, des interrogations légitimes. Parce que quand on parle de pollution, pardon, je peux finir. Quand on parle de pollution, ça inquiète les gens. Et c'est normal que les choses soient mises sur la table, qu'il y ait une transparence dans les dossiers. Et que on puisse dire, voilà les mesures de gestion qui vont être prises. Si il y avait un risque pour la santé, moi j'ai interrogé quand même les services de l'État, c'est un risque pour la santé. Je pense qu'à un moment donné, nous avons dit stop, vous ne construisez pas à ce niveau-là. Voilà. Je ne suis pas médecin. Voilà. Je ne pense pas qu'ici, il y en ait, ou sur cette table. Je pense qu'on fait attention à la façon dont les choses peuvent être construites en ayant des mesures de gestion de la pollution. Voilà. Et en disant, on décaisse là où il y a des habitats individuels, on rajoute la terre végétale là où il y a des habitats collectifs. C'est le choix qui est proposé à travers ces mesures de gestion. Je rappellerai quand même que la pollution, elle est présente sur bien des formes différentes. Oui, mais je parle de pollution sanitaires. Non, à l'arsenic, au cadmium. Alors, c'est... Les teneurs sont indiquées. Les teneurs sont indiquées. Le problématique à Pompéan, il y a deux éléments, effectivement, c'est le plomb et le cadmium. Voilà. Le cadmium n'est pas présent partout. D'ailleurs, le dossier, et moi j'ai eu des gens qui sont venus voir, regarder le dossier, voir où il y avait la carte avec les prélèvements de cadmium. Sur le mercure, il n'y a pas de prélèvement. Il y a un endroit avec du mercure, on est bien d'accord. Il y a un endroit, et je rappellerai que le mercure, une odeur sur le mercure, voilà, ce qui n'est pas décelé forcément. Donc voilà, je présente les remarques, et c'est normal dans cette démarche de participation électronique du public. Qu'on ait une présentation au conseil municipal, des remarques ont été faites, et des remarques qui peuvent être partagées, voilà, avec des inquiétudes, et les réponses que l'on peut donner par rapport aux différentes questions qu'on essaie de mettre par thématique. Donc, Pascal, oui, tu voulais le micro? Oui. Hop, qui est-ce qui a gardé le micro? Effectivement, sur la commune, il y a un certain nombre de jardins qui ont été pollués post-ère industrielle parce que les jardiniers. Ils étudient le cadmium pour les herbes. Entre autres. Et puis, parce que vu la couleur noire des terres qu'ils pouvaient récupérer sur le carreau, on sait que c'était toujours bon pour leur jardin. Ce qui fait qu'en particulier, il y en a un que vous connaissez bien, c'est la maison de M. Ruelou, qui donc aujourd'hui est jardin partagé, qui a été massivement remblayée avec des terres bien loin. Bon, c'était quand l'objet en fait de mon intervention. Voilà. On est tous convaincus ici qu'il faut tenir compte de la nécessité d'augmenter l'offre de logement sur la métropole et donc dans les communes qui entourent Rennes. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord sur les raisons que Rennes Métropole engloutisse autant de monde et laisse les campagnes un peu défaites, mais bon, c'est un autre débat. On reconnaît aussi qu'il y a toute transparence sur les dossiers depuis le début des études qui ont été menées sur le sujet, puisqu'on a parlé beaucoup de pollution. Donc, on a regardé tous les documents depuis au moins 84, je crois, sur le sujet. Et donc, c'est vrai que là, là-dessus, on ne peut pas reprocher à quiconque d'avoir masqué la copie, et merci pour ça. Après, nous, aujourd'hui, en tant que député d'opposition, je pense qu'on ne votera pas pour ce projet de ZAC, parce qu'on ne veut pas, dans le doute, s'associer à ces choix qui sont faits sur cet emplacement de la Métro-Démo. Bon, on ne met pas en cause les autres endroits, dans les autres secteurs de la métropole, mais celui-ci en particulier nous préoccupe davantage du fait de
effectivement des différentes études qu'on a pu voir qui chaque fois montrent des teneurs en produits polluants de plus importantes et des épaisseurs de plus importantes à décaisser. Alors la solution ensuite pour réduire les risques qui sont proposés, c'est de surdensifier déjà des zones qui vont être déjà bien denses. Il faut penser à la vie dans cette cité qui sera surdensifiée. Le choix de stocker les terres, on avait été un peu opposé au stockage pour le bâtiment de la mine. Là, on en est sur un deuxième dérive de stockage. Et puis, ça va imposer, comme vous l'avez dit, donc une restriction sur l'usage des espaces verts, qui est un peu dommage. Bon, je ne dis pas que peut-être d'autres sites à trouver, mais voilà, ça c'est autre chose. Ensuite, un autre sujet qui n'a rien à voir avec la pollution, dans les solutions, le projet tel que j'ai pu lire, je n'ai peut-être pas tout lu dans le détail, suffisamment, mais on est vraiment sur une offre, une solution d'offre de logement pur. Mais quid des gens qui vont venir? C'est-à-dire, quelle perspective de la vie de la cité? Il n'y a rien qui nous dit comment tous ces gens qui vont arriver, donc je ne sais pas combien ça va faire de personnes, s'il y a 750 logements pour compter plus de 400 personnes. 617. Bon, non, peut-être que ça fait 1200 personnes à peu près, si on compte 2 personnes par logement, et puis forcément la règle. Néanmoins, 1200 personnes en plus des personnes qui existent déjà sur la commune de Pampéan, mais pour quelle vie de cité? Ce qui est dommage dans le projet, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on peut recueillir en fait. Parce qu'en plus, il n'y a rien sur le développement économique. On prévoit des zones. Éventuellement pour une crèche ou pour des aires de respiration sportive ou des choses comme ça, mais en développement économique, j'ai rien vu. 1000 mètres carrés de surface commerciale. Oui, de surface commerciale, mais la surface commerciale, c'est pas que ça, le développement économique, c'est des entreprises et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, à part le pont Mao, on n'a aucune zone qui peut accueillir des entreprises, des habitants. Donc c'est un peu ça qui me gêne dans ce projet, c'est ce manque, ce pan d'activité, ce projet qui manque en fait. Je vais répondre sur cet aspect-là, bien que là on est sur la délibération de la participation du public, ces questions-là n'ont pas été abordées. Et c'est plutôt dans la deuxième délibération sur le dossier de réalisation que les choses vont être répondues. Sur le développement économique, on sait combien... la majorité des gens travaillent à l'extérieur de la commune. On a fait le choix de refuser une zone d'activité à côté de la station d'épuration. Voilà, il aurait pu se faire. On avait une zone d'aménagement différé sur 40 hectares. On a déjà discuté, qui était sur on a fait le choix de refuser cette zone d'activité. Et la réflexion, et ça fait partie d'ailleurs de délibération qui sera présentée au Conseil métropolitain jeudi, c'est de dire, quand on dit renouvellement urbain pour l'habitat, sur notre zone d'activité, il faut aussi qu'on ait une réflexion par rapport à la restauration de friches. Soit de pouvoir appeler bureaux, activités, pour que la gestion de l'espace ne soit pas que sur l'habitat, mais soit aussi sur les zones d'activité. Hein. Donc, Pompéan a une caractéristique, c'est que, grosso modo, il y a 50% des zones naturelles, hein, si je comprends les zones humides, les zones inondables, les zones d'effondrement, les MNIE. Et qu'à un moment donné, certains appellent ça des contraintes, quoi. Je dis, ça peut être aussi des atouts. Et qu'on n'a pas, à part la zone du Pont Mao,
On n'a pas de lieu pour développer une zone d'activité. C'est vrai qu'on a, j'ai fait le choix, en concertation avec les élus, de dire non, on n'aura pas de zone de logistique. Et, et d'ailleurs, je dirais, dans la réflexion du ZAN, elle n'aurait pas eu lieu. Donc la question de l'emploi, évidemment, ça va se poser, mais avec aussi la mutation de l'emploi, hein, la numérisation et les choses qui se développent. Donc nous, on fait avec la réalité de ce qu'est la commune de Pompéan aujourd'hui, avec peu de zones d'emploi, donc les gens qui prennent un véhicule d'ailleurs pour aller travailler pour beaucoup, redévelopper une zone d'activité, pour l'instant c'est pas le choix qui a été fait, parce qu'on n'a pas d'endroit où la mettre en place. Quoi. Voilà, et derrière, qu'à un moment donné, la zone d'activité, elle n'est pas pensée à l'échelle d'une commune. C'est pas chaque commune qui doit avoir sa zone d'activité, elle doit être pensée, et tu l'as rappelé d'ailleurs. À l'échelle d'un territoire, et que c'est bien dommage, effectivement, que tout se concentre, des fois, à la métropole. Là, on peut être d'accord sur ce constat, mais je dirais métropole, hein, c'est pas que la métropole, hein, c'est l'activité, Champy, Saint-Grégoire, Brume, Charles-de-Bretagne, Châtillon. Donc, la première couronne, on va dire, peut-être. Hein, voilà, c'est une réalité, mais ça fait pas partie des remarques qui ont été faites par des personnes, hein. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je souhaiterais quand même avoir une réponse par rapport au PMHD que j'ai abordé tout à l'heure. Donc effectivement, dans le bulletin municipal que vous avez présenté, il est comment les merlons. Oui, mais peu importe. Je dirais, c'est stocker la pollution à côté quand même des habitations des gens et même de l'espace culturel où il y a des jeunes qui le fréquentent aussi. Hein. Donc aujourd'hui, très bien, quid de ce PEHD qui, on le sait, va se dégrader dans le temps. C'est l'OMS qui en parle, hein, ce qui va se retrouver sous forme de déchets et vont se retrouver dans l'atmosphère et partout ailleurs. Donc quid du PEHD par rapport au Merlon, sachant qu'en plus, il n'y a pas de dépollution réellement, puisqu'il va y avoir un gazon dessus, il est juste végétalisé par un gazon, et que même s'il y a du lichen, c'est juste un indicateur, il ne polluera rien du tout le lichen. Et quand j'ai dit on gère la pollution par le confinement sur place, mais c'est déjà ce qui a existé dans le passé. Alors, par du PEHD, je rappellerai qu'il y a plusieurs types de PEHD quand même. Il y a des PEHD aussi qui empêchent des fuites de microplastiques, en quelque sorte. Hein. Dans le cahier des charges, le maître d'œuvre qui sera chargé de cet aspect-là accompagnera le territoire public sur ces aspects-là. C'est clair que la pollution, elle sera toujours existante. Donc, c'est une mémoire à avoir sur cette pollution. Et soit on se dit, on donne bonne conscience, on l'envoie dans des classes, dans des décharges spécifiques, on sait très bien le coût est 3-4 fois supérieur, soit on la confine sur place, comme malheureusement ça s'est fait aussi sur la partie d'avril. Hein. Quand l'État a dit on ferme la concession minière, c'est l'État qui a pris cette décision en disant, à l'époque c'était la Drive, rien maintenant, on confine. Voilà. Et il y a eu des travaux de suivi de ce confinement. Il y a eu des travaux d'analyse d'ailleurs des cours d'eau qui sont en amont et en aval sur les deux années qu'on suivit. Voilà. Tous ces éléments-là sont dans des dossiers qui sont consultables. Hein, bon, je rappelle quand même que le PEHD, c'est un produit du pétrole avec distillation, vapeur-braquage, polymérisation, validation et déchets organiques, quel que soit le type de PEHD. Et tu ne peux pas assurer que dans 10 ans, il n'y aura plus de pollution. Et ça va retourner vers les sols, retourner vers les habitants. Non, parce qu'on aura toujours des mesures de suivi de la pollution qui seront à faire avec les services de l'État. Voilà. Comme ça se fait également quand on va dans des classes, des décharges spécifiques. Bon, dans tous les cas, en conscience, nous aurons alerté. Ouais. Alors, je vous propose, on est bien là sur la première délibération, hein, sur... la participation du public par voie électronique, hein, avec la délibération suivante, c'est prendre en considération les observations et propositions déposées par le public.
j'ai bien dit qu'elles étaient légitimes d'ailleurs, et retranscrire dans le bilan annexe à la présente délibération. Approuver le bilan de la participation du public, on n'est pas bien, je rappelle à Pascal qu'on n'est pas sur le d'approuver le dossier de réalisation, mais le bilan de la participation du public par voie électronique, hein, et préciser que plus tard, à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de 3 mois, c'est une obligation légale, hein, les observations de proposition publique déposées par voie électronique, leur synthèse avec l'indication de celle dont il a été tenu compte, ainsi que les motifs de la décision seront rendus publics par voie électronique sur le site internet de la commune. On peut d'ailleurs dépasser ces 3 mois. Moi, je voudrais aussi intervenir, puisque je suis intervenue dans cette PPDE. J'ai fait un texte, j'ai fait le choix Il sera mis sur le site internet de la commune. En tous les cas, je ne l'ai pas vu. Là, il y a 4 qui sont absentes sur les 12. Bon, OK, il y en a une qui était en double. Vers les conseillers municipaux, il y a énormément d'informations que j'ai pu amener et je ne les vois pas. Non, alors je l'ai repris. Que les observations, Evelyne, qui sont liées au dossier de la ZAC, les observations que tu as faites, qui, je dirais, critiquent et attaquent territoire public, notre concessionnaire, par rapport au rapport de la Cour des comptes, je rappellerai qu'au prochain conseil municipal, je présenterai les mesures prises par territoire public 1 an après le rapport de la Cour des comptes. Ce sont des procédures qui sont obligatoires. Mais ça ne faisait pas partie, ça, de la participation publique, c'était pas le. On pouvait s'interroger sur la crédibilité du dossier, puisqu'à certains moments, on dit qu'il n'y a pas de SNIEF 1, il y en a, et puis à un endroit, on le dit. On dit tel vidéo sur tel plan, etc., ça ne figure pas plus loin. Donc, on pouvait s'interroger sur les qualités de ce dossier réalisé par territoire public. On peut interroger, je pense que, voilà, il y a le dossier de accessible. Non, ça aurait été quand même correct de mettre mon texte et ça aurait été aussi très correct de mettre l'expression politique. Sur non, je ne mets pas une expression politique où les élus sont accusés d'être des criminels. Alors, ça, je ne mets pas ça. Et c'est terminé, des expressions qui sont aussi injurieuses envers les élus. En tant que directeur de la publication, je ne l'aimais pas. Non, alors, je reviens. Voilà, tu n'as pas exprimé d'une autre manière. Ce n'est pas parce que tu es dans une décision de rancœur par rapport au fait que je t'ai enlevé tes délégations, non, le conseil municipal t'a enlevé tes fonctions, non, que tu peux accuser les gens d'être des criminels. Ça, ce n'est pas admissible dans une publication. Je suis désolée, Michel. Voilà, je m'arrête là non, et je propose de voter par rapport à cette participation du public. Non, j'ai censuré à juste titre. Non, voilà. Donc je vous propose de délibérer par rapport à cette participation du public. Donc je propose de délibérer. Donc par rapport à cette participation du public, on est bien sur ce premier point. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Donc en rappelant. Moi, c'est oui, mais je demande d'abord qui s'abstient. Donc en rappelant que Pascal a un pouvoir. Voilà, et Maryse aussi. Qui est contre? Moi. Voilà. Donc, 4 abstentions et un vote contre. Le deuxième point du jour concerne aussi la ZAC, et là, ça va être... Là, je vais répondre à Pascal, et on pourra débattre là-dessus, là, c'est sur l'approbation du dossier de réalisation. En rappelant que quand on met en place une zone d'aménagement concertée, hein, c'est le ZAC, qui là est multisite, parce que vous voyez bien qu'on a du renouvellement urbain dans le centre. On a le traitement de l'entrée de ville sur la route de Saint-Herlon au niveau du cimetière, et on a une zone d'extension. Je dirais que la complexité du ZAC multisite, il faudra peut-être revoir les choses, parce que ça fait perdre du temps aussi des fois. Donc, c'est le choix que nous avions fait sur le mandat précédent et même sur le mandat d'avant. Donc, c'est bien, et Pascal l'a rappelé à juste titre, c'est accueillir de l'habitat. En rappelant que l'habitat, pour pratiquement les 2/3, c'est le sol naturel des gens qui habitent déjà sur Rennes Métropole. Et qu'ensuite, il y a effectivement des gens qui peuvent venir soit faire des études, soit travailler. Hein,
je suis d'accord avec Pascal sur une concentration des choix de l'enfant, c'est une réalité dans laquelle nous, élus, on a quand même peu de marge de manœuvre à l'échelle communale. Voilà, et c'est d'abord répondre à des besoins d'habitat pour les gens, c'est répondre à des besoins de services et de commerce, et aussi offrir des équipements publics. Quand on dit équipements publics, ça peut être des bâtiments, mais ça peut être aussi de la voirie, des liaisons douces, etc. Donc, cet enjeu, il s'inscrit aussi dans des schémas, dans le schéma de cohérence territoriale, hein, qui a été trouvé en 2015, qui est en révision actuellement au niveau du pays de Rennes. Il s'inscrit dans le cadre du PLUI qui a été approuvé le 19 décembre 2019, dans le cadre du plan de déplacement urbain qui a été approuvé le 30 janvier 2020, et dans le nouveau programme local de l'habitat, le PLH, qui a été adopté le 21 décembre 2023. C'est-à-dire que également dans le type d'habitat, ben, on aura de l'habitat permettant des nouveaux vivres, permettant de l'accession sociale, permettant du logement, du locatif social, etc. Le choix d'une sac multisite fait qu'on est sur une superficie globale de 20 hectares. On a parlé de 617 logements, au départ d'ailleurs, historiquement, on pensait plutôt à 500 logements, avec une partie où pratiquement la moitié des logements vont être au cœur du bourg, sur 3,2 hectares. Et puis ensuite, on a le secteur Fontaine Blanche, 2 hectares, mais beaucoup de zones humides, et puis le secteur Béthune qui est sur 14,35 hectares. Donc les orientations de cette ZAC, évidemment, c'est répondre aux besoins de l'habitat, hein. C'est développer un éco-quartier. Quand on dit éco-quartier, évidemment, tout le monde a entendu parler d'éviter de rogner sur les terres agricoles, donc on rentre aussi dans ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, donc c'est une économie de foncier, c'est des économies d'énergie, des formes urbaines aussi à travailler avec... la proposition de la métropole d'être sur l'utilisation au maximum de matériaux biosourcés, géosourcés. Ce sont des déplacements d'eau, ce sont des récupérations des eaux pluviales. Je dis bien récupération des eaux pluviales parce que nous, on ne va pas infiltrer sur notre sol à pompéant, hein. Et c'est le maintien de la trappe paysagère. Hein. Tout ça, ça fait partie des objectifs d'une ZAC. Et évidemment, on a aussi décidé de retravailler le traitement de l'entrée de ville, sur la RD36. Je sais. Donc, on a aussi inscrit à l'intérieur de la ZAC le renforcement du pôle culturel. Ça peut paraître curieux parce que vous voyez bien que c'est un petit peu à part de l'extension, mais parce que ça faisait partie du cadre de la mine et que ce développement du centre culturel était inscrit aussi comme projet. Hein. Rappelez que cette ZAC a été pensée par une délibération du 3 mai 2011, je dis ça parce que ça veut dire il y a 13 ans, hein, qui a arrêté les modalités de concertation, organisation du réunion public, organisation d'exposition publique, mise à disposition du public d'un registre d'observation, et ensuite il y a une délibération sur le dossier de création en 2016. Hein, donc les modalités de concertation, elles ont déjà existé. Alors certains ont l'air de découvrir, mais il y a eu organisation de 2 ateliers de travail collaboratif. Je rappellerai que sur la partie centre, parce qu'il y avait 2 parties, centre et extension, hein, on a fait appel à un sociologue qui a travaillé avec les habitants qui étaient volontaires pour réfléchir, que ce sont ces habitants-là, je ne dis pas qu'ils habitaient forcément dans le secteur, hein, qui ont pointé l'idée d'avoir un bâtiment sentinelle par rapport à la partie centre. Ensuite, il y a eu une exposition du 6 janvier 2015 au 20 février 2015 qui présentait les enjeux, les objectifs d'opération, ainsi que les scénarios d'aménagement. Et puis, il y a eu une mise à disposition du public d'un registre d'observation pendant toute la durée des études, et notamment pendant l'exposition. Il y a eu 2 réunions publiques, le 12 juin 2013 et le 8 décembre 2015. Et ça faisait partie de la concertation pour le dossier de création. Donc la ZAC a été créée. Et ensuite, on en a parlé sur la partie d'avant, hein, on a fait le choix d'avoir une concession d'aménagement à un ménageur public, qui est territoire public, en rappelant que la commune est donc actionnaire, hein, de territoire public.
Bon, je l'ai dit tout à l'heure, au prochain conseil municipal, il y aura une présentation des remarques de la Cour des comptes par rapport à l'aménagement du territoire public. Hein. Et voilà, c'est le choix qu'avait fait la commune à un moment donné d'être actionnaire, comme le choix qui est fait par de plus en plus de communes au niveau des aménagements urbains. Rappeler que le régime financier applicable, les constructions aménagements qui seront en périmètre de la ZAC seront exonérées de la taxe d'aménagement, il y aura une participation à la ZAC. Donc l'étude d'impact qui avait été faite, les services de l'État ont demandé suite à la pollution, hein, et c'est essentiellement suite à la pollution, d'avoir une étude d'impact plus affinée sur l'étude et la gestion de la pollution. Donc on est passé aussi sur un nombre de logements, hein, qui au départ, effectivement, parce qu'il y avait raison, était de 500 logements, on est passé à 617 logements, sur une économie de foncier, mais en rappelant aussi que le PLH a évolué, hein, en termes de densification, hein, et puis que la pollution au plomb et au cadmium, sur la quasi-totalité du secteur, les deux tiers du secteur méthiodé, hein, a été un élément déterminant pour ajuster le projet. Donc dans le dossier de réalisation de la ZAC, vous avez reçu, hein, donc le rapport de présentation qui expose le contexte, les objectifs et le projet, hein, vous en rappelez, le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone, le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone et avec un président qui finance, entre Rennes Métropole ou la commune, les modalités de financement d'opérations d'aménagement et puis l'étude d'impact avec les études conduites depuis. Donc, au départ, en termes de terrain cessible, pour le logement, c'est estimé à 67 000 m2, correspondant à une surface de plancher de 40 500 m2. Le secteur centre, Stéphane l'a rappelé, accueillera également un minimum, je dis un minimum, de 1 000 m2 de commerce et de services. Donc, sur la répartition des logements, on est 262 logements dans le secteur centre, 75 logements dans le secteur d'entrée de la route de Saint-Herblon et 280 logements dans le secteur béthionné. Je remets en parallèle ces 280 logements quand on parle de densité sur 7 hectares qui seront construits ou 262 qui seront sur 3 hectares 20 dans le centre. On n'est pas sur la même densité de logements. Donc, voilà, je ne vais pas détailler le projet des équipements publics parce que c'est une délibération qui est à part et elle sera détaillée après. Mais voilà, tout ce qui est, ce qui faisait partie un peu des projets. Par contre, ce qui a évolué par rapport au dossier de création de la ZAC, c'est qu'on est sur des dépenses maintenant qui s'élèvent à 17 590 537 euros hors taxes, hein, qui comprennent les dépenses pour l'acquisition du foncier, hein, qui sont non négligeables, parce que c'est 5 millions d'euros, les frais afférents, les travaux d'aménagement, les frais d'études et d'horaires, les frais financiers. Concernant les participations, il y a une participation de la commune, hein, qui est prévue à hauteur d'1 165 000 euros, hein, plus une contribution nature qui est sur la partie partie du cimetière, hein, plus quand même aussi une contribution sur les espaces verts, à hauteur de 124 786 euros. Donc vous avez reçu un tableau avec une ventilation, hein, une participation de la commune sur son budget général, hein, sur les années à venir. Hein. Et puis rappelez que Rennes Métropole aussi participe. Hein, vous avez eu en annexe aussi la délibération de Rennes Métropole, hein, sur la participation aux équipements publics. Rennes Métropole, c'est 1 228 430 euros hors taxes, hein, sur une dizaine d'années. C'est une délibération depuis le 23 septembre 2021. Donc voilà, donc j'ai parlé de l'actualisation de l'étude d'impact, la participation du public. Hein. Donc il nous faut maintenant délibérer sur l'approbation de ce dossier de réalisation. Hein. Voilà, en précisant que l'objectif, hein, c'est aussi d'avoir des travaux qui démarrent dès cette année, hein, puisque ne serait-ce que sur l'île D dans le secteur centre, on rencontre en commission
l'urbanisme, cadre de vie, archipel habitant la semaine prochaine. Oui, enfin, la semaine prochaine. Voilà, donc avec des projets à lancer, puisque vous voyez bien que le retard qu'on a pris est assez conséquent. Quand on, je parlais au début du conseil de fermeture de classe, et c'est aussi parce que, à un moment donné, quand on n'accueille pas de population, on a un vieillissement de la population, et on n'a jamais cherché à construire pour construire à Pompéan. Mais on est plutôt dans un contexte où si on ne construit pas, on a plutôt une diminution de la population. Toutes les études d'hier montrent qu'il faut au minimum entre 35 et 40 logements par an construits pour maintenir la population. Donc c'est important de rappeler aussi que dans le cadre du PLH, on doit voter sur une contractualisation, on est plutôt sur 80 logements par an à fournir. Donc voilà, donc le conseil municipal est amené à approuver le dossier de réalisation de la ZAC. En rappelant aussi que la réalisation de la multisite devra respecter les mesures destinées à éviter, réduire, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. Peu de ZAC décident de garder les zones humides dans leur intégralité. C'est un coût non négligeable pour la commune, puisqu'on a racheté des fois des terrains dont on a découvert qu'ils étaient en zone humide. Voilà, moi, ça me semble logique, et d'ailleurs, dans un futur PSUI, Rennes Métropole, dans un futur SAGE, on précisera que la destruction des premiers mètres carrés de la zone humide est à éviter. Donc, voilà, on aura une obligation d'affichage hein, de cette délibération. Hein, voilà. Aujourd'hui, on a voté sur ce dossier de réalisation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport. On a déjà pas mal abordé les choses, mais là, il y a aussi des questions budgétaires que vous avez reçues. Donc, par rapport à cette délibération, s'il n'y a pas de questionnement, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, donc tu t'abstiens alors, une abstention, espérance, et 5 contre, Pascal, Dominique, Maris, Arita et Edith. Moi je voudrais rappeler quand même une chose, au-delà des pollutions, on sait qu'il y a eu des effondrements, il y a eu un fontis dernièrement après les études, que c'est, d'après les études qu'on a du 19e siècle, qu'on n'est pas à l'abri. Et l'autre point qu'on n'a pas abordé ce soir, c'est le retrait gonflement d'argile qui est déjà compliqué pour beaucoup de gens ici à Pompéan, et je comprends les familles parce que c'est difficile pour eux, et ces terrains sont soumis à retrait gonflement d'argile également. Donc je recompte. Alors, juste quand même, on a parlé de la pollution des sols. Le risque d'effondrement minier, tel qu'il avait été défini dans des études d'après-mine en 2009, mettait une interdiction stricte de construction dans un rayon de 15 mètres autour des puits. On a fait le choix que le long de, on va dire, de la bande plutôt R, avec beaucoup de bois qui font que les puits s'enchaînent, de ne pas du tout construire. On avait même prévu plutôt un espace vert aménagé, en accord avec la DREAL, on s'est dit, c'est pas la peine de rajouter du poids. Donc là, sur cet espace-là, ça sera un espace vert tel qu'il est aujourd'hui, sans aménagement, pour tenir compte des risques d'effondrement. Alors le risque d'effondrement, quand je dis c'est localisé au niveau du puits, on a eu le cas, ça fait maintenant un an et demi, du puits du midi, en rappelant que nous avons aussitôt averti des services de l'État, notamment l'Adréal, quand on est sur un site après-midi, c'est au service de l'État de prendre en charge les travaux par rapport à ça. Voilà, je précise ça pour tout. Je comprends, je veux aussi préciser que par rapport au dossier, le puits de l'Orne n'a même pas été mentionné dans le dossier, alors que l'on sait que c'était un puits extrêmement sensible aux effondrements. D'ailleurs, il a été arrêté pour cette raison-là.
que la deuxième raison, c'est que les galeries ne sont pas, linéaires. Ça peut être aussi en forme de fougère, et ça, ça a été montré par Joseph Fenn à la fin du 19e siècle. Et puis il y a également les galeries de roulage qui sont à l'extérieur du filon. Donc on n'est pas à l'abri. Voilà. Et ensuite, le troisième point, c'est important d'en parler, c'est le retrait gonflement d'argile. Je rappellerai qu'en 2022, le BRGM, sur une étude financée par l'État Rennes Métropole, a fait une étude plus poussée sur les communes de Montbéan, Chartres de Bretagne, Saint-Jacques-Lureux, sur les communes qui avaient des zones d'aléa forts et moyens sur ce phénomène de retrait gonflement d'argile, hein, qui touche pas mal de gens sur Montbéan, que ce phénomène existe sur la tache urbaine de Montbéan, pas sur la partie extension. Voilà, j'en parlerai. Sur la méthode. Voilà, mais sur la méthode, il n'y a que. Parce qu'il y a une cartographie, hein, des zones d'aléa forts. Voilà. Que ensuite, la loi maintenant précise qu'il y a des études géotechniques obligatoires, que moi-même je refuse les permis quand il n'y a pas un génie pro de déposer. C'est pas satisfaisant, parce que moi je connais des gens effectivement qui sont soumis à des contraintes fortes de fissures sur leur habitation. On est encore une réunion jeudi avec le collectif Fissures, que les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle sont refusées par la commission interministérielle, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres maires de la Sarthe, de Charente, du Nord. On sait qu'on est sur 52% des maisons individuelles qui peuvent être concernées par ça en France, et qu'actuellement, on a plutôt un État qui ferme un peu les yeux, parce que c'est une question de financement. Voilà. Et que le coût est à l'ordre au national de l'ordre de 10 milliards d'euros. Voilà. Donc, les préventions, elles existent, et on a été la première commune en Bretagne, dès 2009, à dire on propose de faire des études géotechniques avant même que la loi l'oblige. Voilà. Et que le PLUI va bien renforcer ces aspects-là. Et que j'ai rencontré le secrétaire général de la préfecture le 31 juillet dernier pour éventuellement lancer, en discuter avec lui, on en parlera aussi avec l'association, un plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain, concernant aussi bien le retrait gonflement d'argile que les effondrements miniers. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, nous, on est obligé de faire les démarches à travers un cadre législatif réglementaire qui existe. Je ne peux pas. Non, enfin, quand on voit que sur ce terrain, on a pollution aux métaux lourds, effondrement minier possible, retrait gonflement d'argile, et les conséquences juridiques au moment pour les contribuables, pour les malaises, en Clermont, parce que ce n'est pas le territoire qui est responsable, c'est bien la commune. S'il y a quoi que ce soit comme problème, c'est la commune qui devra régler la condition. Ensuite, je pense que. Peut-être que j'ai eu du mal à suivre, mais. Je pense que sur certains dossiers, on n'a pas la langue de bois. On est malheureusement aussi avec les démarches que l'on peut faire, avec les refus de reconnaissance de catastrophe naturelle et les démarches judiciaires qu'on fait, au tribunal administratif. Voilà, ce n'est pas un défaut de solliciter et les députés, et le ministre où j'ai pas de réponse. Je s'interroge sur la délivrance qui permet de construire ces conditions. Donc, voilà pour cette. On a délibéré, oui. Voilà. Le troisième point, alors ça concerne le programme des équipements publics. Hein. Donc, je propose peut-être plutôt de, par rapport à ce programme des équipements publics, de présenter peut-être le tableau que vous avez reçu, hein, page 17 hein, du dossier de réalisation. Voilà, on a la. Ce qu'on appelle les voiries primaires, hein, avec le réaménagement de l'avenue du chemin vert et son carrefour avec la route de Nantes, en partie hors ZAC, puisque par exemple le parking actuel du centre commercial est un terrain privé, donc qui est hors ZAC. Hein, donc il y aura un travail à mettre en place. Là, le bénéficiaire de l'ouvrage sera Rennes Métropole. Hein, et puis ensuite, les aménagements paysagers qui seront faits le long de cette voirie du chemin vert et la route de Nantes, évidemment, c'est la commune de Montbéan qui
des responsables des espaces verts. Ensuite, on aura le réaménagement des rues de Télé Bellevue, là où il y a la résidence équipage présente, hein. Et puis la création des voiries des secteurs A et B. Donc là, l'opération d'aménagement, le bénéficiaire de l'ouvrage sera Rennes Métropole. Hein. Et puis ensuite, vous avez le secteur Fontaine Blanche, où le choix qui a été fait, c'est de réaménager une partie publique et la gération de la route de Nantes. Voilà, des aménagements paysagers sur le parking public, hein, les espaces verts, donc ça sera la commune. Réaménagement route de l'Ancroix, de la Croix à Montréville. Voilà, et puis, donc là, ce sont des. Chaque fois qu'il y a des voiries, des réseaux, c'est la métropole qui en est bénéficiaire, et les espaces verts, c'est la commune. C'est bien pour ça que dans le bilan financier, on participe, nous, aux espaces verts. Donc, qui sont ensuite rétrocédés à la commune. En rappelant aussi que chaque année, Territoire Public aura présenté au conseil municipal le bilan de la ZAC, le bilan financier des constructions qui sont en cours. Et donc, sur la voirie, le principe hein, est plutôt de dire, quand on est sur des zones d'extension, Rennes Métropole ne participe pas à la voirie, donc c'est concessionnaire de prévoir dans son bilan. Par contre, quand on est sur des zones de renouvellement urbain, là, il y a une participation aux équipements publics de Rennes Métropole. Voilà, on n'aura pas d'équipement public, entre guillemets, bâtiment au sein de l'ESAC, hein, puisque vous voyez bien qu'il y avait un pôle petite enfance de Bellevue qu'on a déplacé de la carte Donjon. Hein. Et puis, j'ai déjà parlé d'études qui avaient été faites avec l'Audiard à l'époque pour vérifier que le groupe scolaire était suffisamment dimensionné. Hein, par contre, le financement du bâtiment de la mine, hein, il est hors ZAC. Hein, c'est un projet porté par la commune. Donc, voilà, à chaque fois, on doit détailler les équipements publics hein, qui sont prévus au sein de la ZAC. Ça ne veut pas dire, et je tiens à le préciser, parce qu'on l'a déjà connu sur d'autres ZAC, comme la ZAC des Lusards, qu'à un moment donné, les choses sont figées. Il peut y avoir des opérations aussi qui peuvent évoluer dans le temps. Hein. Donc, à travers cette délibération, il faut approuver le programme d'équipement public de la ZAC, rappeler que la ZAC multisite devra respecter les mesures destinées à éviter, réduire, compenser, hein, voilà, sur les effets négatifs, mais je pense qu'on a pas mal pris en compte ça, et m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier, poursuite du projet de la ZAC. Je ne sais pas si sur cette participation, sur ces équipements publics, il y a des questions précises. Oui, Pascal. Attends, un micro. Hop. Pour ma culture personnelle. Oui. Je sais servir à vous. Bon, c'est une formulation qui dit qu'à un moment donné, quand on aménage un espace urbain, ben, il y a le bien-être logement qualitatif, mais il y a aussi les espaces verts, l'environnement à prendre en compte. Quoi. Voilà. Oui, mais je suis d'accord, c'est la formulation qui peut être aurait pu être dite autrement. Donc, par rapport à cette délibération, qui ne prendra part au vote, qui s'abstient, donc 4 abstentions, qui votent contre. Je vote contre en raison du secteur but d'aigle, notamment la voie. Donc, contre. Le point d'aménagement, et c'est le dernier point concernant la ZAC des Lusards, je vais être obligé de sortir. Je vais laisser Stéphane le présenter. Voilà, donc Michel, en tant qu'administrateur de l'ASPL Territoire, doit sortir de la salle. Bon, cette délibération reprend un petit peu tout ce qui s'est déjà dit ce soir. Donc voilà, on reprend donc, la délibération du 4 octobre 2016 qui approuvait le dossier de création de la ZAC. Donc, par cette délibération, le conseil municipal avait donc approuvé cette zone d'aménagement concertée sur les trois sites, donc Centre, Fontaine Blanche et Béthodet.
Le 9 février 2017, la commune a confié à la SPLA Territoire Public l'aménagement et l'équipement de cette zone par le biais d'une concession d'aménagement d'une durée de 14 ans, prenant fin le 9 février 2031. Donc, le bilan initial établi lors des études de création faisait ressortir un coût total de 13 914 000 euros, incluant une participation d'équilibre de la commune à hauteur d'1 million 47 000 euros hors taxe et une contribution spécifique aux équipements primaires de 620 000 euros. Donc, ce programme à l'époque prévoyait la construction de 475 à 500 logements. Donc voilà, depuis 2016, plusieurs évolutions sont intervenues. 2019, la mise à jour du projet a conduit à une révision du nombre de logements, porté à 575 logements. Donc en lien évidemment avec le PLH qui était en cours entre 2015 et 2022. En 2021, donc, les études de pollution de sol ont révélé une contamination importante en plomb et en cadmium, je ne reviens pas sur le sujet, nécessitant donc une révision des plans d'aménagement et l'élaboration d'un plan de gestion des terres. Donc le choix, on ne revient pas dessus non plus, hein, donc la dépollution telle qu'elle a été choisie et exprimée s'élève à 800 000 euros. Voilà, donc ces différentes évolutions ainsi que la nécessité d'adapter les aménagements en tenant compte des contraintes environnementales et financières ont conduit à une révision du bilan global, qui est estimé aujourd'hui à 17 600 000 euros pour la création de 617 logements. Ce nouveau bilan intègre donc une prolongation de la durée de l'opération jusqu'en 2033. Il y a un pouce de 2 ans. Alors, donc ce deuxième avenant vise à ajuster la participation, l'équilibre de la commune, Michel a exprimé tout à l'heure, qui passe donc 20 047 000 euros à 1 165 000 euros, afin de tenir compte des surcoûts liés à la dépollution, mais aussi à la hausse des prix fonciers et de l'inflation. Donc, on passe aussi par la suppression de la participation de l'opération au coût des équipements publics aux abords du projet communal, la réhabilitation du bâtiment de la mine, initialement prévu à 110 000 euros. Et donc, je lui dis, prolonger la durée de concession d'aménagement jusqu'en 2033. Donc, le conseil municipal est donc invité à délibérer sur cet avenant numéro 2, donc pour cette concession sur ces trois sites. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc on a le tableau d'amortissement, hein, vous l'avez tous vu, c'est écrit petit. Hein. Pourrais-tu nous rappeler la rémunération du territoire public sur cette opération? Bah, tout est écrit sur le document. Oui, mais c'est facile. Ben, on prend les lignes. Hein. Ce qui va être important pour nous, c'est aussi la participation communale par année. Donc il y a 116 000 euros, 333 000, avec deux pics en 2030 et en 2032. Mais voilà, autrement, tout est détaillé, hein, ligne par ligne, hein, dans la plus grande transparence. Je vais poser une question très précise. Oui, je ne peux pas lire. Voilà. On va peut-être ouvrir le dossier et puis on va pouvoir le lire ensemble. De toute façon, j'imagine que tu connais la réponse déjà hein, à ta question. Hein. Non, tu ne connais pas. Je souhaite la voir. Merci.
Voilà, pour les heures, on a les honoraires techniques de VRD, de coordinateur, et les honoraires techniques. C'est là. C'est trop petit, c'est imbuvable. Je pense que c'est pareil pour la politique. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la somme totale. L'amélioration ménagère. L'amélioration ménagère, on a les honoraires techniques, 1 357 000 €. Ouais, voilà, merci. Et ce que je voulais préciser par rapport à tout à l'heure, ce que j'ai mentionné sur territoire public, c'est une des citations de la Cour des comptes, rien d'autre. Merci pour cette précision. Du coup, pour cet amendement numéro 2, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Et l'abstention. Qui est contre ? 1, 2, 5. Toujours pour les mêmes raisons. Je vous remercie. On peut aller chercher les chaînes. Le point suivant, je garde le micro. On parle donc d'aménagement urbain et de l'étude de la route de Nantes qui nous a mené à un plan guide. Donc aujourd'hui, avec le ZAN en perspective, la ville doit se reconstruire sur elle-même pour offrir des logements et des services et accueillir de nouvelles personnes ou tout simplement ceux qui aspirent à de nouveaux modes de vie et de logement. Donc notre paysage urbain se modifie sous une pression, il faut bien le reconnaître, assez forte des promoteurs immobiliers. Donc on l'a vu récemment, et c'est d'ailleurs été un déclic pour élaborer ce plan guide. Sur la route de Nantes, en lieu et place de 3 maisons, on verra demain 133 logements. Donc il nous semblait important de pouvoir encadrer ces modifications en cohérence avec le PH, évidemment, mais aussi en tenant compte du patrimoine existant, et en améliorant l'espace public et en ayant un vrai, entre autres, maillage piéton. Donc à ce sujet-là, la société Origami a donc été chargée de réaliser une étude urbaine qui, une fois validée, nous permettra donc d'avoir un vrai plan guide destiné aux promoteurs et, ce sera d'ailleurs l'objet de la délibération suivante, d'avoir un sursis à statuer. Voilà, avec le sursis à statuer, ça nous permettra donc de pouvoir raisonner par îlot et non à la parcelle. Donc voilà, l'étude, le plan guide, vous l'avez tous eu en pièce jointe, on ne va pas regarder toutes les pages, juste une petite explication. La deuxième page donc faisait un petit état des lieux hein, de la commune, avec notamment les ambiances au niveau du bâti, donc des volumes, des couleurs. C'est pour ça qu'une palette de couleurs est proposée. Ouais, voilà. Ensuite, je vous fais grâce. Ça, on va pouvoir passer à la page 14. Donc, 4 îlots ont été identifiés, donc avec des propositions d'évolution qui est à la page 14. Voilà, donc ça, c'est l'évolution que pourrait avoir ce secteur. Donc on est sur un secteur avec une assez important quand même, avec un potentiel assez fort. C'est le secteur où se situe la société VHM.
Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des collectifs en cœur d'îlot. Rue de la Rivaudière, donc on avait souhaité avec Michel, on l'avait vu en commission urbaine aussi, c'est d'avoir un petit secteur pavillonnaire en fait, hein, peut-être de la maison en banque, qui pourrait être imaginé, de façon à tenir compte de l'existant. On va mettre des bars en face des maisons en fait. Hein. Ensuite, on est sur un autre îlot, si on regarde à la page 20. Voilà, sur la route de Nantes, hein, donc pareil, hein, des évolutions proposées, avec là encore hein, du logement collectif en R+1, R+2, qui ferait dos aux collectifs déjà existants de Passio des Chênes. Et imaginons, route de l'Aillé, des petits pavillons en bande également. Si on pousse un peu plus loin, on regarde la page 25. Donc là, c'est une perspective aussi au niveau du pont Mao, avec un secteur qui mêle un petit peu de l'habitat, du service. Donc voilà, c'était une proposition aussi de repartir vraiment sur de l'habitat, sur un secteur, et puis un secteur avec des ambiances un petit peu plus dédiées aux artisans. Et enfin, sur la page 29, on est sur un autre îlot. Voilà, donc là, on est aux routes de Nantes, à l'angle de la route de Nantes et de la rue de Bellevue. Voilà, donc on a déjà une maison hein, qui est classée des villes, hein, qui est juste en bout, donc qui reste bien évidemment, avec du logement collectif un petit peu sur l'arrière de l'îlot. Et voilà. Donc c'est bien évidemment, c'est pas un document qui fige l'évolution, mais c'est un document qui permet d'avoir quelques pistes d'évolution. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet. Ouais, Pascal. Juste une question pour mieux comprendre. Donc là, c'est des prospections à long terme, en fait, sur des actes. Alors, comment ça va se passer? Parce que là, aujourd'hui, on est sur des propriétés, des gens qui ça appartient. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils ont déjà vu, ils ont partagé là, alors, pour l'instant, je fais le parallèle avec ce qu'on a vu sur le projet de ZAC. On sera peut-être sur la dernière ZAC existant à Montbéliard, comme le modèle de ZAC, avec le fait de ne plus prendre sur les terres agricoles, ne sera plus forcément celui qui sera prévu dans l'urbanisation plus tard. Ce qui se passe depuis le début du mandat, c'est qu'on n'a jamais vu autant de promoteurs venir sur la commune de Montbéliard, et que à partir du moment qu'ils respectent le PLUI, ben on est sur des opérations, je dirais, au coup par coup. Voilà. Sans forcément de cohérence sur les voies douces, sur la trame verte, sur des choses comme ça. Et que moi, je suis persuadé que de plus en plus, on aura des diffus, puisqu'on va parler de plus en plus de renouvellement urbain, et que là, ce travail, il nous permet non pas de dire que ça se fera de telle façon, mais d'avoir une trame pour dire qu'est-ce qui pourrait évoluer. À partir de là, c'est la délibération qui va suivre. On va délibérer sur un sursis à statuer. Et moi, les gens qui je vais dire rencontrés, hein, on m'a dit évidemment, nous, on aura soit à demander le portage foncier après la métropole, de façon à ce qu'il y ait une cohérence sur des secteurs, c'est pour ça qu'on va travailler par secteur, hein. Mais vous savez que le portage foncier, ça s'arrête au bout de 10 ans. Soit laisser des promoteurs faire un projet, mais en respectant un plan guide. Et ça, c'est la délibération qu'on propose. Parce que si on n'a pas de choses qui cadrent un petit peu,
les promoteurs, ils arrivent, ils sont sur une parcelle, ils regardent qu'est-ce qu'on va construire, et puis il y a plus cette cohérence sur les liaisons chevillons-loups, sur la trappe verte, sur d'autres éléments. Hein. C'est pour ça qu'on a regardé tous les gisements fonciers qui seraient amenés à évoluer. Quoi. Je ne contestais pas l'idée de faire ce travail-là. En fait, je pense que c'est bien de le faire, vu effectivement les réalisations qu'on voit apparaître un peu partout. Là, parce qu'effectivement, les gens sont achetés à prix d'or, on rase les gants, on rase un immeuble un peu tenable, enfin, pas n'importe comment, mais disons sans cohérence avec le reste. Donc le travail, je ne le mets pas en cause. Simplement sur la méthode après, effectivement, on va statuer sur la délibération suivante sur. Sur ce qui a statué, voilà. Qui nous permet, aux municipalités suivantes, d'avoir le choix ou non de. Si, tu disais si les gens qui sont propriétaires étaient informés, certains sont courants, hein, parce qu'ils demandent des biens, j'ai même refusé des permis. Donc, je vais en parler qu'après, parce que ça doit passer d'abord au bureau de la métropole, on est aussi sur l'acquisition. Hein, voilà, et ensuite, on communiquera évidemment sur les personnes qui ont ce bien. Et ça ne veut pas dire que. Tout va se faire du jour au lendemain. On regarde ce qui peut évoluer et on sait bien que c'est le long de la route de Nantes et puis les rues adjacentes où les choses sont en train de se passer. De toute façon, ça va alimenter le futur prix. Et pour information, j'ai demandé à ce que la commune récupère le droit de préemption qu'on n'avait pas totalement. Actuellement, on a un droit de préemption sur qu'une partie de la commune. La métropole sur les autres parties, j'ai demandé est-ce que toute la zone UE on récupère le droit de branche. Bon, je peux pas aussi intervenir donc, sur le lit dans ce coin, je suis complètement d'accord. On a besoin d'une cohérence architecturale. Quand on parle de qualité de vie, etc., actuellement on assiste à du coup n'importe quoi, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, parce que d'un point de vue architectural, on a besoin vraiment d'une architecture urbanistique. Ça, c'est le premier point, là-dessus, on est tous d'accord. L'autre point, oui, contacter effectivement les propriétaires, en discuter avec eux. Mais on voit que là, on travaille par îlot, par quartier. Et moi, ce qui me semblerait quand même important, c'est qu'au-delà du propriétaire qui est concerné par la vente de son terrain ou pas, c'est d'impliquer les habitants de ce secteur dans cette démarche. Et c'est là où la démocratie participative pourrait jouer son rôle et d'interroger effectivement les gens, de discuter, de travailler sur ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans de nombreuses villes en France et pourquoi pas à Montréal. Il y a simplement que les gens, les constructions qui se sont faites depuis le début du mandat, ce sont des gens qui ont vendu parce qu'ils souhaitaient partir. Voilà. Et que des fois, à partir du moment qu'on respecte le PLUI, on a du mal on est un peu bloqué. Et je veux bien qu'on. C'est une démocratie participative, mais actuellement, c'était plutôt des gens qui étaient vendeurs. Non, mais je comprends bien, mais si on installe un immeuble en face de gens, ce qui n'est pas le cas, etc., et que les gens puissent en discuter de ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur quartier, voir quel chemin nous, enfin, etc., c'est vraiment les impliquer dans cette démarche de réflexion, et c'est quelque chose de courant aujourd'hui, et pourquoi on ne le ferait pas chez nous? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait rue de la Rivière. Une visite de quartier. Oui, mais il y a d'autres quartiers que celui que tu cites. Il y a des questions qui se posent aussi. Moi, j'ai entendu des questions. Je pense qu'on a redémarré des visites de quartier parce que c'est vrai que c'est important de discuter avec les gens. On avait plus fait de partie pendant, il n'y en avait pas eu. Donc, il y a des méthodes que j'ai eues. On pourra plus. Juste deux, trois informations par rapport justement à ce guide. Bien évidemment, tout le monde est d'accord pour dire voilà, c'est un guide qui est nécessaire. C'est un sorte de cadre.
à la portion des UD, je vais effectivement être vigilant par rapport aux constructions futures sur la zone identifiée. Ça sert aussi à identifier les gisements fonciers. Par contre, bien évidemment, libre aux élus de suivre, voilà, c'est quelque chose de figé. Ben, c'est important de le signaler. Ensuite, pour mettre en pratique ce guide, il y a du mécanisme en urbanisme qui sont utilisés. Bien évidemment, il y a un, c'est le sursis à statuer qu'on va, sur lequel on va débattre tout à l'heure, mais aussi les emplacements réservés. C'est deux mécanismes et ils ont des objectifs différents. Le premier, par exemple, si on prend les emplacements réservés, ce sont des zones spécifiques qui sont, disons, consacrées pour des projets futurs sur la commune, qu'on peut intégrer dans le PLUI pour garantir leur disponibilité. Si jamais demain il y a un projet donc d'intérêt public pour la commune. Justement, le deuxième mécanisme, c'est le sursis à statuer, c'est un objectif encore différent. Là, il s'agit bien de faire, comment dire, une pause par rapport au permis de construire pour attendre justement d'intégrer des changements réglementaires, mais aussi des études spécifiques, notamment au niveau de l'impact environnemental, etc. Voilà. On a ces deux mécanismes qui jouent pour mettre en pratique ce guide. Par contre, c'est un guide, bien évidemment, qui est juste une feuille de route, qui permet aux élus d'avoir, un certain canevas, en fait, pour effectivement mettre la cohérence sur l'aménagement urbain, sur la commune. Voilà. Et il a duré, c'est important aussi de préciser que pour ce mécanisme, juste pour finir sur ça, sur les emplacements réservés, la durée est théoriquement illimitée, mais à condition que la commune ait bien évidemment déjà réfléchi à un projet public, d'intérêt public. Par contre, sur le sursis à statuer, la durée légale, c'est 2 ans avec un nom de, voilà, de prolongation si jamais il y a besoin. Donc 3 ans maximum. C'est important d'avoir cette information en tête pour vraiment comprendre ce que vous faire avec ce guide. Merci. Donc la délibération là, c'est d'approuver le plan guide qui était annexé, hein, là, et d'autoriser à signer les documents tiers dossiers. Enfin, c'est un plan guide, hein, donc il n'y a pas de documents. Mais ça veut dire qu'ensuite on pourra fournir ce plan guide à tout aménageur qui viendrait construire. Donc par rapport à cette délibération qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, l'abstention, qui est contre, donc une abstention. Oui, bon, ouais, sur le sursis à statuer, parce que je pense que vous avez eu la présentation. Hein, donc c'est décidé de prendre en considération, au sens de l'article L424 alinéa du Code de l'urbanisme, le projet de centre-ville, tout ce qui est donc la route de Nantes, hein, avec les parcelles que vous avez inscrites dans le document, hein, préciser que le sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d'autorisation d'urbanisme, qui seront susceptibles de ne pas prendre en compte, voilà, ce plan guide aussi, hein, ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'opérations d'aménagement. Je dis ça parce qu'on a aussi à se battre des fois sur les surcoûts. Cette décision prise en considération cessera de produire ses effets si dans les 10 ans compté de sa délibération, la réalisation d'opérations n'a pas été engagée. Parce que quand il y a un sursis à statuer, il y a aussi une vision dans le temps, quoi. Et m'autoriser moi ou son représentant sur soi à statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme, si c'est nécessaire. Voilà, si on avait un sursis à statuer, on avait déjà fait un jet de constructivité dans le passé sur le secteur centre, hein, pour indiquer aussi qu'il y aurait une SAC avec renouvellement urbain. Donc par rapport à cette délibération, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, l'abstention, qui est contre, aucune abstention. Alors le point 9, c'est une convention de servitude avec GRTF pour le passage des canalisations de gaz. Donc une convention de servitude de réseau souterrain est nécessaire entre GRDF et la commune de Montréal pour le passage de réseau souterrain sur une parcelle communale. Alors il s'agit des parcelles AH184 et AH181 pour le dévoiement d'une canalisation de gaz autour du bâtiment de la ligne. Voilà, etc.
chose assez, assez classique. Hein. GRDF a besoin donc d'une, d'une servitude pour pouvoir, si besoin, accéder à son réseau. Donc on est sur une longueur de 80 mètres, sur un mètre de large, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, donc tous les frais, hein, les droits et monuments induits et qui en seront la suite et la conséquence seront pris en charge par GRDF. J'ai des questions à ce sujet. Non. S'il faut délibérer pour que je puisse signer la convention de servitude avec GRDF. Rappelons que les travaux ont déjà été réalisés, mais que c'est normal, la convention de servitude arrive à faire. Donc, par rapport à cette délibération, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, donc l'unanimité, merci. Le point suivant, ça. Donc là, c'est une proposition de participation à une opération d'autoconsommation collective. Donc la commune est adhérente au SDE 35 depuis le 1er juillet 2014. Le SDE 35 s'est associé avec Énergie V et ont fondé l'association Partenaire 35. Voilà, donc c'est une association en fait qui va permettre l'émergence d'opérations d'autoconsommation collective accessible à tous les producteurs et consommateurs, c'est-à-dire les communes et les administrés aussi. Ce sera dans un deuxième temps, j'imagine. Voilà, donc la commune de Pompéan constate par ailleurs que la production d'énergie renouvelable décentralisée doit se multiplier sur les territoires, dont le sien, sous l'impulsion de différentes législations, la dernière en date étant la loi APER. Le législateur ouvre donc la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de mobiliser différents types de contractualisation pour assurer son approvisionnement énergétique. L'acceptation des projets d'énergie renouvelable est très largement sous-tendue au sens et à la valeur apportée effectivement aux acteurs du territoire d'implantation. Donc, le fonctionnement du marché de l'électricité français et européen se transforme pour tenir compte d'une part de la transformation du mix d'approvisionnement énergétique et d'autre part, du retour d'expérience de la crise énergétique de 2022-2023. Donc la commune veut donc s'assurer progressivement un approvisionnement énergétique qui tient compte de ces enjeux et des nouvelles possibilités proposées. Donc la, tout ça en vue d'améliorer évidemment la résilience de son approvisionnement et un budget associé et un peu plus modéré. Alors, en complément de l'adhésion au groupement d'achat coordonné par le SDE 35, qui est un premier outil de gestion efficace de son approvisionnement par les bénéfices apportés de mutualisation, la commune de Pompéan souhaite donc profiter également de toute opération d'autoconsommation collective qui pourrait émerger sur son territoire. Donc les bâtiments communaux inclus dans le périmètre seront primo-accédants kilowattheure produits dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective, afin de sécuriser la facture électrique, une électricité renouvelable, locale, partagée, dans le cadre de l'opération collective, a surtout des prix stabilisés, car liés au coût de production. Donc, en complément de sa facture classique d'électricité, la commune recevra donc, pour chaque point de livraison participant à cet approvisionnement électrique local, une seconde facture d'électricité, qui sera émise par l'association Partenaire 35, donc l'accès à la boucle d'autoconsommation est assuré à titre gracieux pour la commune, car le rôle de Partenaire 35 est déjà financé par les producteurs. Voilà. C'est une question. Juste, ça nous permet de pouvoir acheter ce prix d'énergie moins cher que le marché qu'on a actuellement. Et on sait qu'avec l'accélération de la production d'énergie renouvelable, hein, vous avez délibéré aussi en disant que vous avez enlevé certains projets qui étaient dans des zones limites, par exemple le projet d'éolienne, mais qu'on sait que c'est une nécessité, on sait qu'on aura des ombrières à mettre en place sur des zones de stationnement, hein, donc
Là, ça se travaille au niveau de la métropole avec un échéancier. Donc, tout ce qui va pouvoir être inscrit comme énergie renouvelable, qui sera inscrit sur la commune, on pourra demander à bénéficier de ce tarif-là. Et ensuite, si on a un projet communal, on pourrait s'associer hein, en termes de production. Mais, là, c'est aussi pouvoir bénéficier des fois du tarif hein, de rachat d'énergie renouvelable qui est moins élevé que le marché classique actuellement. Donc, par rapport à cette délibération. Juste un point, est-ce que vous envisagez d'autres projets communaux par rapport aux énergies renouvelables ? Alors, oui, actuellement, mais c'est plus sur le bâtiment d'Amérique de transformer la chaudière gaz en chaudière granulée. Voilà. Parce que l'objectif, c'est de sortir des énergies fossiles. Hein. D'ailleurs, dans le cadre de la ZAC, il n'y aura pas de réseau gaz dans l'extension. Ensuite, sur le développement de panneaux photovoltaïques, on n'a pas revu de projet actuellement sur les bâtiments communaux. Donc par rapport à cette délibération, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, l'unanimité, merci. Le point suivant, c'est la décision modificative numéro 1 du budget. Donc, on a la première décision modificative de l'exercice 2024. Vous avez tous reçu les documents afférents. Donc, je vais commencer par vous présenter la section fonctionnement. Oui, très bien, pas. Bon. Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, je vais commencer par le numéro 7 du fonctionnement. Comme vous savez, donc, je vais vous le dire à l'oral, donc tout ça, voilà, c'est pas la peine de vous fatiguer, monsieur. Donc, comme vous le savez, donc, en général, la plupart des ans, des dotations et de participation et aussi impôts et taxes ne sont pas notifiés au moment du vote du budget. Donc, on est obligé de faire des estimations. Okay. Donc, pour faire des estimations, on travaille avec Finance Active, c'est une agence comptable, voilà, avec laquelle on travaille. En général, on arrive toujours à voir des chiffres qui matchent à peu près. Donc, chaque fois, donc, évidemment, à travers le DBM, on fait des ajustements, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour certaines, par exemple, si on prend le chapitre 73, impôts et taxes, nous avons reçu moins des crédits que vous avez espéré. Hein. Donc, on a mis en BP 112 000 euros, on n'a obtenu que 70 000. Donc, il y a moins de 2599 euros. Voilà. Ensuite, concernant les impôts et taxes, pour la dotation forfaitaire, ce qu'on appelle DGF, donc on a estimé à 337 916 euros. On a obtenu moins que ça, donc moins de 2893. Par contre, on a eu des bonnes surprises, par exemple, concernant le fonds départemental de taxes additionnelles, ça concerne le droit de mutation, on a eu une bonne surprise. Là, on a préféré être prudent dans l'estimation, on a mis donc 90 000 euros par rapport à l'année passée. Hein. Donc pourquoi? Parce que, voilà, je ne sais pas si vous avez vu dans le liste France, le département a perdu 51 millions d'euros, justement, au terme de droits de mutation, parce que, pourquoi, voilà, le marché immobilier est moins dynamique que d'habitude. Donc, voilà, le département a perdu donc 51 millions d'euros. Cet argent, le département, en général, est utilisé pour financer la politique sociale du département. Voilà. Donc, on a reçu moins d'argent que l'année passée. Donc, du coup, voilà, donc, de fait, on a estimé 90 000 euros au lieu d'avoir un chiffre beaucoup plus important. Donc, on a eu une bonne nouvelle. Donc, on a eu 16 583 euros de plus. Donc, on est content. Ensuite, voilà, ça c'est par rapport donc, au chapitre 74. Ensuite, on a eu aussi une bonne nouvelle par rapport aux recettes de l'EB. Donc, on a donc utilisé les 20 000 euros.
On a obtenu 7000 euros de plus, mais on est encore loin des recettes d'avant-crise Covid, 2019 par exemple. Mais c'est quand même, ça commence à monter, c'est très bien. Ensuite, on a reçu une subvention d'UNIDIS pour faire les travaux, voilà, donc l'action sur le transformateur à côté de la mairie, là, donc vous avez vu, il y a de la peinture, et, voilà, donc on a reçu une subvention de 750 euros. Ensuite, il y a notre recette exceptionnelle. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a cédé des actions en euros. Donc, on a cédé 46 actions parce que, comme vous le savez, on est actionnaire du territoire public, nous possédons des actions. D'ailleurs, je voulais juste profiter pour revenir sur un point qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi le choix de territoire public pour, à l'époque, ça a été choisi pour deux raisons. La première, bien pour l'expertise à l'époque, donc il y avait plus de 50 projets qui ont été réalisés par les droits publics. Donc c'était l'aménageur, leader sur le marché. Et surtout, la deuxième raison, c'est que être actionnaire de territoire public, ça permettait à la commune d'avoir un droit de regard aussi sur le dossier de réalisation, et aussi d'avoir des informations auxquelles on n'aurait pas pu accéder par ailleurs, quoi. Si on avait donc confié la maison d'Azac à un opérateur privé. Voilà. C'est juste pour faire ma parenthèse. Donc on a cité des actions euros. Donc le total c'était 14 837 euros. Voilà. Donc au terme de cette DM pour la recette de fonctionnement, donc on est à 41 300. 93 euros de plus, moins 8 962 euros, donc on a un produit de 32 421 euros au terme des recettes de fonctionnement de l'UPM. Donc maintenant je vais vous présenter les dépenses de fonctionnement. Je vais passer directement, donc je ne vais pas vous présenter ce qu'on appelle les opérations d'ordre ou des corrections comptables. Hein. Donc ce qui est important, c'est vraiment le chapitre 61-68, assurance à architecte mine. Donc cette dépense supplémentaire qui n'est pas connue au moment du vote du budget, mais entre-temps, voilà, il y a eu des changements au niveau de... Voilà, on s'est séparé de l'agence des temps, donc on a dû faire appel donc à l'architecte pour le suivi. Donc on a payé une assurance donc de 5 500 euros. Ensuite, on retrouve l'entretien sur autre bâtiment, donc ça concerne toujours la fresque sur le transformateur IBF. Il nous a coûté 1 100 euros. On a des remboursements de frais aussi. Je passe directement. Il y a un chapitre, charges de gestion courante. Ça concerne les subventions de fonctionnement au syndicat. Donc, ça concerne plus précisément, le syndicat de la piscine. Donc, on a utilisé 86 000 euros. Au cours de route, donc, le syndicat de la piscine nous a demandé une rallonge de 7 000 euros. Voilà. C'est juste des opérations d'ordre. Voilà. Donc, pour résumer, au niveau des dépenses de fonctionnement, donc au terme de cette PM, donc on se retrouve avec, au terme de dépenses, 17 100 euros. Donc, avec un excédent de fonctionnement, si on compare évidemment les 32 421 euros avec 17 100 euros pour les dépenses, donc on a un excédent de fonctionnement de 15 321 euros. Donc on vous propose de faire ce transfert donc à la section d'investissement, donc faire un virement à la section d'investissement de ce montant de 15 321 euros. Donc maintenant je vais vous présenter la section d'investissement. Je vais commencer par les recettes. Un point important, ça concerne donc classe LUP. Donc
unités d'enseignement d'enfants pour les handicapés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc la commune a investi 60 000 euros donc, pour aménager les salles, mais au terme de cet investissement, on a été remboursé de 30 000 et 15 000 euros. Donc, par contre, ces subventions qu'on a reçues à la fois de subventions étatiques et de l'État, de la DETR, et aussi le département, ces subventions n'étaient pas connues, donc on n'était pas notifié, donc on ne les a pas budgétisées. Quand on a voté le budget, maintenant on les connaît, on le sait, donc on a reçu 15 000 et 30 000 euros. Donc surtout on a 30 000 euros de réserve aujourd'hui qui sont déjà voilà, notifiés, plus les 15 000 euros qu'on a déjà obtenus. Ensuite, après, on a des écriteurs d'ordre, dans sa limite, c'est pas important, donc ça n'a pas d'incidence financière, pour ça, c'est pas important d'en parler. On retrouve ici en vert, vraiment de la section de fonctionnement, de 15 321 euros, ici. Donc, au terme de cette DM pour l'urgence d'investissement, on se retrouve donc avec moins de crédit, si vous voulez, donc de 17 054 euros. Donc, ensuite, j'en vais maintenant aux dépenses d'investissement. Alors, ça concerne les travaux de viabilisation de la parcelle qui se trouve au 110 rue de Nantes. Avant de la vendre, bien évidemment, on est obligé avant de la vendre, de faire des travaux, donc de la viabiliser. Cette viabilisation, on les a coûté 15 000 euros. Donc, on a aussi le dépassement de jardin partagé. Donc, sur le nouveau terrain, qui est situé sur le sac de Pombao. Donc, on a rajouté 2 000 euros, on a vendu 2 000 euros, inscription de crédit au BP. Ensuite, autre élément, on a abondé le crédit pour l'aménagement de la classe AEP à 3 000 euros. On retrouve aussi une dépense supplémentaire qui concerne les travaux sur le cas technique, donc travaux de remplacement de gouttières, 2 000 euros. On a rajouté ici un garde-corps sur le bâtiment RPE, donc de 2 000 euros. Voilà. Donc, pour résumer, le reste sont des états d'ordre qui n'ont pas d'incidence sur financière. Hein. Donc, on se retrouve donc, au terme de cette DM sur les dépenses d'investissement, donc à 187 000 euros. Et on vous propose, à ce titre d'ailleurs, de baisser, l'empreinte d'équilibre inscrit au BP. Donc, les mémoires, on était à 2 040 000 mémoires. Donc, on vous propose de baisser de cette empreinte d'équilibre inscrit au guichet de 28 321 euros. Voilà. Juste pour deux précisions par rapport à cette empreinte d'équilibre, là, ça ne concerne pas uniquement l'empreinte qu'on a contractée auprès de la Banque du Territoire d'1,5 million. Ma deuxième précision, c'est qu'on n'a pas eu pour l'instant de tirage sur cet emprunt. Voilà. Donc on ne devrait pas en avoir, à mon avis, cette année. Hein, donc on a reçu des avenants positif mais aussi négatif. Donc aujourd'hui, donc à mon avis, ce ne sera pas nécessaire, jusqu'à preuve du contraire, de faire du tirage sur cet emprunt. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un supplice peut-être de ce sujet-là à 23h. Et puis, vu qu'on a déjà vu, tout ça en commission finance, peut-être que. C'est un vote en début. Oui, d'accord, enfin, le document peut être globalement fourni. Et peut-être qu'une ou deux planches de synthèse auraient suffi pour qu'on comprenne en fait que la finalité, c'est que. C'est la dernière phrase, en fait. Voilà.
Donc, par rapport à cette décision modificative numéro 1, donc il faut l'approuver. Hein. Donc, est-ce qu'il y a qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, unanimité, merci. Ensuite, on va passer sur les deux points concernant l'éducation. Un point. Donc, sur une convention, donc c'est l'école qui a fait appel pour une étude à projet de l'Académie sur le numérique. Donc, il fallait que cette convention passe en conseil municipal. Bien évidemment, le choix du numérique a été fait en fonction du choix des enseignants, qui est Bénélu, parce qu'elle travaille déjà un petit moment avec Bénélu. Et il fallait que ça passe en conseil pour que M. le maire puisse apposer cette signature sur la convention. Donc, cette convention est donc sur 2 ans et financée par l'Académie. Le montant, Ça fait à peu près 600 euros sur les 2 ans. Voilà. Donc, voilà, vous avez eu la convention en annexe. C'est qu'on doit délibérer pour permettre justement à la directrice d'avoir ce financement. Donc, par rapport à cette délibération, on va faire au vote. Qui s'abstient, qui est contre, l'unanimité, merci. Le point suivant, c'est. Le projet de fonctionnement du lieu accueil enfants-parents, LEB. Donc, les 3 ans, il faut revoir la convention pour le lieu d'accueil enfants-parents. On a rencontré la CAF, le service qui a travaillé activement pour mettre à jour ce lieu d'accueil, pour définir les objectifs du LEB. On a rencontré la CAF. Qui nous a validé que ça leur convenait. Il nous a aussi confirmé qu'on pouvait temporairement travailler sur le LAEP avec juste une personne, puisqu'on a renouvelé le recrutement. Donc c'est pour aller jusqu'à fin 2026, et en 2026, il y aura un certain nombre de conventions à refaire pour la petite enfance. Pour l'équipe suivante, est-ce que vous avez des questions spécifiques? Là, je me tiens. Voilà. Pas de questions, mais je crois que c'est tard. Donc, voilà, puis voilà, ça a été travaillé aussi en commission. Donc, voilà, il faut donc valider ce projet de fonctionnement du LAEP en rappelant qu'on a eu un entretien de recrutement vendredi dernier, les personnes se démarrent, donc que le 1er octobre. M'autoriser à signer ce document. Par rapport à cette délibération, qui prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, l'unanimité, merci. Le point suivant, ça concerne les ressources humaines, hein, ça concerne l'avancement de grade pour un agent sur le tableau de 2024. Hein. Donc c'est bien la création là, d'un emploi d'adjoint technique principal première classe permanent à temps non complet, c'est un 32 heures hebdomadaire. Hein. À compter du 1er septembre 2024. Et de ce fait, on supprime un emploi d'adjoint technique principal deuxième classe. Hein, donc, et on met à jour donc, le tableau des effectifs. Voilà, sur cet avancement de grade, voilà, qui est dans le déroulement aussi de carrière, et on essaie de faire en sorte de ne pas bloquer. Donc, par rapport à cette délibération, qui prend part au vote, qui s'abstient, et contre, l'unanimité, merci. Ensuite, vous avez les. Hein? Supprimer les carrés. Ah oui, d'accord. On va corriger la faute d'orthographe. Donc, les délégations d'attribution, vous informez, déclaration d'intention d'aliéné, où on ne donne pas suite. Ça concerne la clinique hein, qui est sur Pompéan. Le propriétaire des biens hein, revend donc l'immobilier de santé voilà, qui était locataire avant, qui devient propriétaire. Évidemment, on n'utilise pas notre droit d'attention d'aliéné. Et puis ensuite, je ne vais pas vous détailler tous les engagements de dépenses, mais vous avez le tableau avec la liste des dépenses. Et, évidemment, comme il y a eu les travaux du RPE, quand même souligner la signature du contrat de prêt
avec l'agence France Locale. Hein. Vous savez que nous avions donc, nous sommes actionnaires maintenant de l'agence France Locale. Et c'est cette agence qui nous a fait la meilleure offre de prêt sur une durée de 20 ans, un taux fixe de 3,48%. Hein, puisqu'on part sur des taux fixes. Voilà, et on n'aura pas forcément nécessité de tirer cette année, hein, puisque à date d'aujourd'hui, on est en recette avec 200 000 euros de plus de recettes que de dépenses en investissement. Mais évidemment, les entreprises avançant sur le chantier, notamment du bâtiment administratif de la ville, ben, on aura des factures qui vont arriver. Voilà, donc le conseil est clos. Voilà, sur l'ordre du jour de ce conseil, donc je n'ai pas forcément plus d'informations à vous dire. Si quand même, on parlait tout à l'heure de retrait conforme d'argile, hein, je vous l'ai dit, donc on a eu cet été, donc refus de reconnaissance de catastrophe naturelle, donc, par rapport à l'année 2023. Déjà 5 dossiers qui sont en cours, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023. Je vais demander, est-ce qu'on arrête la caméra parce que...